Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce Wingmaster Live numéro 13. Déjà, comme le disait Jérôme dans mon oreille il y a quelques ouais. secondes, ça passe vite, déjà 13 numéros, euh, qu'on est confiné, enfermé à la maison. On va toujours répéter la, la même chose. Mais euh, bienvenue, merci de nous accueillir chez vous, euh, à la maison, c'est sympa. On ne peut pas faire autre chose en ce moment. Hein. On va attendre pour aller voler. Il euh, y en a un qui a passion également de déployer ses ailes et qui se trouve du côté de oui. Grenoble. Il est là, c'est Jérôme. Salut Jérôme. Salut à tous et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. Ouais, écoute, euh, en tout cas, c'est sympa. Et qui passe derrière? Salut, avec euh, c'est le goûter, c'est l'heure du goûter. Euh, écoute, euh, c'est sympa de nous accueillir euh, chez toi et puis euh, de nous donner euh, une fois de plus euh, tous tes conseils et, euh, et de répondre aux questions des internautes qui sont là, qui nous sont là de euh, Basse-Normandie, d'Algérie, de, de Saint-Leu. Euh, J'ai vu de la Suisse, des Yvelines, de Bruxelles, euh, voilà, du 62, des Vosges. C'est sympa. Il y en a dans de, de, dans toute la France, dans le monde entier, et puis euh, voilà, plein de plein de belles choses. Bonjour du Nord, je ne vais pas faire la liste. Vous l'avez dans les commentaires d'Ardèche, de Caen. Euh, C'est vraiment sympa, hein, Jérôme, de retrouver à chaque ouais, fois euh, tout le monde. C'est international, quoi. Et puis on retrouve les mêmes. Hein, maintenant, on fait une espèce d'équipe hein, qu'on qu'on suit depuis un moment c'est the big team c'est ça <laughs> la, la grosse team euh, GG as la pression ce que tu manages, euh, tu manages tout le monde on a un bonjour des assorts également de Thierry ah, ouais. bah, on, va, on va en parler dans quelques instants et puis euh, du Tarn-et-Garonne euh, voilà comme quoi on nous regarde de partout euh, très sympa et euh, Charlotte qui nous dit trop contente de vous voir deux fois par semaine bah, nous aussi on est content de, de, oui. euh, que vous nous accueilliez euh, comme ça chez vous et puis de, de, de euh, distiller en tout cas Jérôme le fait très bien tous ses conseils tous ses... C'est euh, euh, bah une sorte d'encyclopédie du parapente, hein, Jérôme. Euh, c'est longtemps qu'il pratique, technicien, euh, on le répète, euh, pilote d'essai, pilote de test pour une grande marque, euh, nombre d'écoles créateurs de voiles aussi, de, de, de mini-voiles. Euh, voilà, tu as, as quand même une carrière assez importante qui te donne une expertise assez chouette et qui permet de répondre à toutes ces questions là qu'on qu reçoit à chaque fois. En tout cas, c'est sympa euh, de poser, euh, de que vous nous posiez toutes les questions et que Jérôme puisse y répondre mm. comme ça. Vraiment, très chouette. Euh, ce soir, Jérôme, euh, une thématique euh, qui va à la fois euh, toucher euh, euh, le matériel, la pratique des parapentistes, aussi un peu le mental. On va parler de la confiance. Euh, comment ben, Et puis c'est avant le, à la sortie du confinement, c'est peut-être une thématique qui est intéressante. Euh, confiance, avoir confiance en soi quand on fait du parapente. Peut-être se remettre en confiance aussi quand on a eu un problème, un incident, ou ouais. euh, comment ben, Après six mois d'attente là, euh, entre l'hiver et le, le, le confinement. Se remettre en confiance pour, euh, pour aller voler. Alors, je pensais à un truc, c'est encyclopédie. Je pense tout de suite à des énormes bouquins qui font 10 kilos sur des étagères. Es c'est un... plein de poussière et on les sort ça. jamais. T'es un peu lourd, t'es plein de poussière et <laughs> on ne <te> le sort jamais. <laughs> Je vais me rattraper. Ouais. ouais alors ce soir, c'est un thème pareil, c'est assez vaste, mais il faut qu'on démarre sur un thème. Ça serait le, voilà, la confiance, euh, avoir confiance en l'air. Euh, souvent, on dit, je, je prends l'exemple d'un saut. Donc, on vole, on remplit ce saut petit à petit de confiance, etc. Puis, sur un incident, sur un accident, sur une peur, bof, on vide tout le saut. Il faut tout re remplir, et c'est très long, etc. Donc, on parlera un peu de ça ce soir on en profitera aussi pour toucher d'autres thèmes de l'entraînement de mental, hein, la gestion de la confiance, la, plutôt la, la confiance en soi, la gestion des émotions, la fixation d'objectifs, parce qu'on verra que tout peut être un petit peu lié, en fait. voilà, donc, et puis on est content d'échanger avec vous. on a déjà des questions. Voilà. Voilà, donc on va passer encore une, une bonne soirée. Je vous rappelle que vous nous regardez en direct sur euh, Facebook. Vous pouvez nous voir aussi sur YouTube, la chaîne euh, Wingmaster là, depuis, euh, depuis quelques temps. On nous suit aussi en direct, ce qui permet aux gens qui ne sont pas euh, sur YouTube qui pas de euh, sur Facebook, qui n'ont pas de compte d'aller euh, nous voir sur, euh, sur euh, YouTube. Donc euh, partagez le lien. N'hésitez pas à le dire à, à vos amis euh, pilotes qui ne sont pas sur Facebook. Et puis comme euh, à chaque fois, on a des partenaires pour euh, cette soirée. Euh, on a euh, René René Allais de Rocks Outdoor alors Rocks Outdoor on peut le dire ils nous ont fait un super article euh, René a, nous a fait un super article là que vous allez trouver sur la page de Wingmaster où euh, GG est quand même euh, comparé au Boris Cyrulnik euh, du parapente c'est ouais. euh, voilà, non pas mal mais c'est vrai que c'est une sorte de récompense euh, pour toi, pour tout ce que tu fais là, tout ce que tu apportes dans, 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 dans ces lives et puis pour nous, euh, pour euh, voilà, avoir, avoir lancé ça comme ça euh, sur une idée de euh, tiens on va faire quelque chose pendant le confinement et, euh, et au final, et bien, euh, ouais. voilà, c'est bien donc super article. Allez voir sur le site de Rocks Outdoor et Rocks Outdoor. On y trouve de tout on trouve des articles, on trouve des conseils. Il y a les conseils de Jérôme que vous retrouvez par écrit, des analyses aussi. Et puis il y a plein d'accessoires en, en vente il y a plein de bouquins, plein de choses intéressantes. C'est vraiment un site hyper complet. Ça devrait être le portail du parapente. On devrait pouvoir aller là avant de faire quoi que ce soit. Il y a plein d'infos, de météo, etc. Donc, rocksoutdoor.com et René en ce moment il vous propose 10% de réduction. Sur ces, objets, sur ces objets qui sont là. Euh, donc, euh, il y a des, des euh, poignées euh, grippe, euh, c'est pour les freins, hein, ça, euh, Jérôme, c'est ce qu'on met. Euh, ouais. ouais. ça. Euh, donc, poignée... Pour les freins, après, euh, ils peuvent les acheter et puis faire autre chose avec. Mais là, ouais. c'est <laughs> au-dessus des poignées de frein pour avoir une meilleure préhension. Euh sur les commandes. Bon. Voilà, poignée Easy Grip, on a un Vario Alti Plus de Fairhaven qui est qui est pas mal du tout, un accélérateur qui paraît qui est top, le Bullet Speed Bar et puis deux radios CRT4CF et P2N qui sont à 10 euh, avec 10 de réduction si vous utilisez le code Wing10. Donc allez voir le, 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 le site rocktheoutdoor.com et on remercie encore René Allé pour tout ce qu'il fait pour Wingmaster et nous soutient depuis le début et ça ça c'est très chouette. Merci René. Euh, voilà, le petit retour juste Retour. Euh, et puis ce soir, les ailes du volcan. Souvenez-vous, on en a déjà parlé il y a quelques lives de cela. C'est Thierry hein, qui est là avec nous en live que l'on salue. Euh, Thierry, ben, il vous accueille aux, aux Açores. Thierry, c'est un, c'est un Suisse, c'est un petit Suisse qui est parapentiste depuis 91. Euh, il est biplace, biplaceur pro. Euh, il fait du speed flying, du paramoteur solo et biplace. Et euh, son surnom, c'est Cléron. Voilà, il s'est émigré aux Açores en 2015. Et il a monté un réceptif et euh, c'est un magnifique euh, site pour euh, voler. Euh, est, il est sur l'île de Sao Miguel. Il y a 25 sites officiels et variés. On peut faire du soaring en bord de mer, du vol de falaise, du vol de plaine avec des thermiques et avec un dépaysement total. Je vais vous montrer une petite image euh, des Açores. Ça donne vraiment envie d'y aller. île volcanique, un petit peu comme euh, La Réunion, mais dans un autre contexte. Donc, euh, allez voir sur les ailesduvolcan.com. Vous avez toutes les infos. Euh, il vous accueille et il vous fait le guide euh, parce que c'est très compliqué d'aller voler là-bas il y a des zones aériennes, euh, la météo est pas évidente, il faut connaître les sites, il faut des autorisations locales donc Thierry vous fait tout ça. Donc euh, il y a un prix à la semaine et il va vous offrir 30% de réduction sur un voyage, sur un séjour d'une semaine. Donc 30% de réduction sur le séjour euh, d'une semaine sur, euh, à gagner. Il y aura une petite question à la fin de ce live pour gagner ce, ce bon de réduction de 30%. Donc allez voir le site des Ailes du Volcan si vous voulez aller voler aux Açores et peut-être vous allez remporter 30% de réduction euh, pour un séjour. Donc ça vaut le coup de rester avec nous jusqu'à la fin de ce live et on remercie Thierry de nous suivre. Et euh, Thierry, on l'aura. Euh, il ne le sait pas encore mais on va essayer de faire un direct avec lui euh, samedi euh, une fois qu'on a présenté là tous ses, euh, tous ses partenaires et on les remercie samedi on va faire un très gros live euh, pour la fin de ce confinement on attend encore euh, des informations là du ministère des sports mais qui a confirmé encore ce matin que euh, tous les clubs allaient pouvoir reprendre dans toutes les disciplines sportives. Euh, pour les sports aériens, c'est vrai qu'on est encore dans l'expectative Jérôme mais euh, voilà, on aura peut-être la réponse d'ici demain, il va y avoir une publication des sports interdits et euh, autorisés. Euh, voilà, on croise les doigts mais samedi, euh, on va faire un live qui va durer 3 heures au moins de 17h à 20h avec plein d'intervenants euh, de la France entière avec des gens de la FFVL la présidente de la FFVL sera avec nous euh, il y aura plein de, plein de personnes je vous le dis pas tout de suite euh, mmh. ça va être un vraiment gros live de 3 heures et on va parler de déconfinement, on va vous donner plein de conseils, plein de trucs, plein d'astuces euh, plein de pratiques à faire euh, de la gestion du mental entre autres ça va être un gros live, donc rendez-vous samedi mais on aura l'occasion d'en de, de reparler de le publier euh, pour, pour ce gros live euh, post euh, non pré des euh, déconfinement avec plein pré de conseils hein. pré des confitures exactement et puis dernier truc avant que je n'ai plus de salive ce soir on a un intervenant euh, avec nous euh, qu'on va avoir tout à l'heure c'est Damien Lacaze euh, parapentiste exceptionnel qui est parti un petit peu dans le monde entier faire du parapente Jérôme tu peux nous en dire quelques mots oui Damien c'est un un moniteur avec un, qui habite dans les Hautes-Alpes, qui a un gros niveau de vol, qui fait de la compétition euh, niveau national et international, et qui est là, qui, est, qui a fait un ou plusieurs voyages avec Antoine Girard. Euh, au, vous avez vu ce film Lost in Caracorum qui est, qui est hallucinant, en fait, c'est un du vol bivouac à haute altitude, où il monte à pas loin de 8000 mètres, etc., avec Antoine. Et donc, on, il, on, il, est, il vient ce soir, donc on pourra discuter avec lui justement sur le comment, comment il est. Euh, euh, au niveau de ses émotions, de la, si il, il, comment il confronte la peur, comment il gère ça, quand, quand on voit l'ambiance dans des, des endroits dans lesquels ils volent et qu'ils ne connaissent pas par avance, quoi. Donc on va parler de ça et puis ça va permettre de parler de la confiance effectivement de la thématique de ce soir. Donc Damien Lacaze tout à l'heure euh, vers euh, 18h45 on va dire une fois qu'on a un petit peu abordé le, le sujet euh, de euh, la confiance de la mise en confiance, on a euh, des questions déjà sur la DGAC t elle l'espace aérien On n'en sait rien. Pascal pas. nous dit des avions civils ont décollé de Nancy aujourd'hui, mais effectivement les petits avions ont des autorisations pour pouvoir décoller pour de la maintenance. Donc il euh, y a eu il euh, y a eu des exceptions qui ont été faites. Euh, mais pour le reste, on n'en sait rien. Donc euh, voilà, <laughs> on n'a pas les réponses à vos questions. Euh, mais en tout cas, ce soir, avec Jérôme, on vous parle de confiance, de remise euh, en confiance et puis du mental lié à tout ça. Jérôme, pour commencer, je voulais te proposer une petite vidéo ouais. euh, qui on part tout de suite dans le vif. quoi. Tout de suite dans, dans, du... dans le vif du sujet, dans, dans, du... dans du lourd. Dans, dans du, du lourd. Tonique. Vous, vous l'avez sûrement vu, elle vient d'arriver, cette vidéo d'un gars qui, euh, je peux je peux raconter le, le contexte, en fait. Je l'ai découvert avec vous il n'y a, a pas longtemps. Euh, c'est un, un gars, un, un pilote. Dans, dans le coin, il vole dans le coin d'Annecy, voulait faire un stage shift, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Euh, euh, donc il se met en l'air et puis il décide de faire un décrochage complet volontairement. Donc on va voir ça. C'est tout récent, hein c'est au mois de mars il fait ça. Hein c'est au mois de mars, voilà, donc c'est tout récent, début mars. Donc voilà, il décide de faire un décrochage, il appuie à fond sur les commandes, il va chercher, on va voir après qui finisse son tour de thermique. Donc voilà, il se prépare, il va descendre les commandes symétriquement jusque sous les fesses pour provoquer un décrochage complet de la voile. Voilà, c'est parti. On va voir la bascule arrière avec les pieds qui montent. Et là, il se remet tout de suite. Bravo, on vient de voir la main, euh, la main droite et la main gauche qui étaient tout de suite après, au moment de la bascule arrière, il s'est remis complètement. Bravo et bim, il tombe dans la voile. Donc ça, c'est le cauchemar euh, du parapentiste, on va dire, de tomber dans la voile. Il arrive à tirer son secours. On, vous avez vu, hein, il est emmêlé dans la voile, donc voilà, il lance son secours en deux mouvements. C'est comme ça. Le secours monte, le secours prend en charge l'ensemble et, ce, et euh, ce pilote a beaucoup de chance parce qu'on voit que même sur ce, ce, ce vrac énorme hein, quand même il tombe dans la voile il n'y a pas de rotation il n'y a rien derrière ça tombe plutôt verticalement avec on a l'impression que le tout de chute n'est pas trop fort mais bon tirer son secours là c'était indispensable et il arrive dans une petite clairière euh, il touche rien il arrive pas très fort etc donc euh, sacré truc quoi. ça c'est le moi c'est un truc qui me fait peur de tomber dans la voile ça m'est arrivé dans des tests pas de tomber dans la voile mais en test EN de toucher le bord d'attaque sur des grosses abattées en sortie de vrille c'est ce très passe... impressionnant Voilà, parce qu'au moment où la voile part devant le, le pilote ne peut plus rien faire à, à ce moment là il a, il peut plus freiner ça sert plus à rien etc. c'est dans un mouvement dynamique en fait il cumule au moment de la bascule arrière, la voile est derrière lui, donc il va cumuler en remontant les mains. Il va redonner la possibilité à sa voile de revoler de manière aérodynamique puisqu'il se remet bras haut. Et comme il est en bascule arrière, il va cumuler aussi l'effet pendulaire. Voilà. Donc il va cumuler les deux une abattée pendulaire et une abattée aérodynamique. Donc c'est le pire qu'on puisse avoir. Et voilà. Et quand l'aile est là en pleine vitesse, il a beau freiner, ça, ça n'aura pas une action suffisante. Et en plus, si la voile a beaucoup de vitesse quand elle part devant, ça va avoir tendance à projeter le pilote dedans. En fait, ce n'est pas la voile qui vient dessous et lui qui tombe devant, mais la voile peut être en... pas tout à fait en dessous de lui, mais le, le pilote est projeté dedans. Voilà, donc c'est chaud, chaud patate. Alors on va pas, euh, on n'est pas là pour juger le fait qu'il ait voulu faire un décro. Après il fait ce qu'il veut, de faire un décro en fait sans peut-être vraiment connaître la manœuvre. On, voilà, on ne sait pas trop comment il a abordé le fait de vouloir faire cette manœuvre. En tout cas, voilà le, le résultat d'un du, 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 décrochage qui est déjà une manœuvre sortie du domaine de vol qui est engagée, plus une manière de bizarre ou pas adaptée pour ressortir ces cascades d'incidents. Donc la première question qui peut se poser. Euh, après cet incident accident en fait, c'est de dire comment le pilote euh, va va rebondir là-dessus. Est-ce que ça va Alors c'est sûr que physiquement il a sûrement rien du tout. Il va replier sa voile en bas, il va repartir. Mais comment il va il va vivre avec ça Comment il va retourner voler euh, Je pense pas que ce soit euh anodin du tout, que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Peut-être, il, il, peut-être que le pilote va, va souhaiter que ça soit comme ça, c'est-à-dire mettre de côté. Mais non, je vais revoler, puis ça ira bien. C'est, je pense, plus compliqué que ça, puisque ces, ces images vont revenir en fait, quoi. Il y a déjà une Donc, question je... de justement de Gilles, et c'est vrai que c'est les questions qu'on se pose. Et moi, bien quand sûr. je t'avais envoyé la vidéo, c'est le premier truc qu'on se dit, c'est bah, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire là et eh bien ce qu'il n'aurait il aurait pas fallu faire c'est relever de la position de décrochage complète qui était main sous les fesses là c'est de remettre les mains brutalement jusqu'en haut des maillons et au pire moment c'est à dire quand la voile est derrière lui en fait il aurait pu faire ce mouvement en attendant bascule arrière qu'il revienne sous la voile et là le fait de se remettre bravo il y aurait une grosse abattée mais de la tomber dedans non il y avait de la marge et aussi une petite remarque souvent on a parlé des homologations des ailes euh, sur les lives précédents, ça c'est une, une, une voile, ENA, je crois. Euh, euh, et, et donc, on, on peut sur une mauvaise manip volontaire, même avec une ENA, on n'est pas à l'abri d'une un, cascade as, assez importante euh, sur un incident assez important, quoi. Alors sur YouTube, on nous dit que c'est euh, au Pléia de <laughs> dessus de Vevey en Suisse, en fait. D'accord. Voilà, okay. voilà le contexte. Et effectivement, Donc, voilà. le, le gars est-ce qu est que euh, parce qu'il va faire un stage Civ, euh, il se dit je vais déjà m'entraîner, voir ce que ça donne. Euh, bon, on connaît pas son niveau, hein. Mais est-ce qu'il y a voilà. une question de je de, de... suis trop en confiance euh, avec ce qui m'attend et j'essaye des trucs euh, alors que voilà, le contexte n'est va... pas bon, ouais. Ouais c'est le premier accord toltec. On va pas faire de suppositions, mais on va faire peut-être des hypothèses. C'est dans le sens il allait faire un stage CIV. Peut-être qu'il était super motivé et tout. Il est peut-être dans cette démarche-là, très motivé. Il s'est peut-être renseigné. Il a peut-être regardé des vidéos, etc. Donc euh, comme s'il avait intégré par lui-même. Comment faire un décrochage Et puis il y va de, il y va de bon cœur. En fait, il n'y a pas d'hésitation dans son mouvement. Dans tout ce qu'il fait. Donc il y a, là, il y a déjà peut-être une méconnaissance de comment on sort d'un décrochage, ou simplement, il est vraiment surpris de ce qu'il ressent, la grosse bascule arrière et tout, qui, qui peut complètement euh, euh, de, ne pas permettre un bon gestuel, même si on le sait. Quoi. Voilà. Donc la question, c'est comment, euh, comment il peut rebondir là-dessus. Donc ce qui fait qu'à partir de là. Après, il, y en a, il, va, il va recevoir sûrement plein de conseils, mais la démarche viendra de lui en fait. Et il faudra qu'il qu se pose des questions, comment il en est arrivé là, euh, euh, qu'est-ce qu'il mettrait en place maintenant pour ne pas refaire la même situation, euh, comment il va revoler, dans, dans quel état d'esprit pour savoir s'il va pouvoir revoler de manière sereine, est-ce qu'il va, il, il va, se va avoir besoin d'un protocole peut-être progressif pour se remettre en, en vol. Euh, peut-être un stage CIV ou pas, ça, on ne sait pas du tout comment on réagit à ça, ça peut être long, et il va être confronté aussi à l'entourage qui va lui dire, mais fais-ci, fais-ça, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, mais la démarche devra venir de lui en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça sera une démarche personnelle qui, sera, qui lui conviendra en fait donc il faut qu'il fasse le tri qu'il analyse bien ce qui s'est passé qu'il se demande j'ai besoin de quoi maintenant pour revenir voler en confiance si je suis pas en confiance et s'il revient voler euh, attention aussi de se dire bah oh ben non il s'est rien passé je reviens voler comme d'hab voilà je sais pas peut-être qu'une qu peur peut venir a posteriori plus tard dans des contextes par exemple la voile bouge ou etc ou peut-être qu'il n'osera pas c'est des hypothèses, hein. peut-être il osera plus descendre les commandes, etc. Donc peut-être que ça va créer des blocages, quoi. Voilà. On a justement, alors là ça touche le, le matériel. <laughs> C'est Thierry qui pose la question. Euh, ça veut quand même dire que le côté auto-démerdant d'une ENA a ses limites. Et du coup, tu vois, ça, ça fait réfléchir les pilotes là. Ah oui. Mais rappelez-vous le contexte des homologations, c'est en air calme et euh, il y a la manœuvre de décrochage qui est faite pendant la norbeen, c'est pas du tout cette manœuvre-là hein. On a bien le début de la manœuvre est pareil, elle décroche et au moment de la bascule arrière, il faut il faut pas la laisser partir, il faut remonter les mains et les bloquer au niveau des maillons à peu près pour que la voile se stabilise au-dessus de la tête, elle ne vole toujours pas mais on appelle c'est la phase de marche arrière et à partir de cette phase-là, voile au-dessus de la tête, le pilote va relâcher complètement la voile et à ce moment-là, juger ou vérifier son comportement, mais à partir de ce moment-là. Tandis que là, il ne fait pas du tout un décrochage de la norme EN. Hein, parce que même un pilote de norme EN, euh, n'importe quel pilote, il fait la même manœuvre avec n'importe quelle voile, il tombe dans la voile. Hein. C est, c est, là, ce n'est voilà, pas lié au comportement de la voile, c'est lié au parapente. Quoi. Voilà. Oui, justement, Lionel te pose la question. J'ai lu dans une analyse de cet incident que les voiles ENA favorisaient ce type de gros sabaté dû au calage de l'aile. Que elle alors demande ton avis. Alors euh, on va pas généraliser, mais c'est vrai que on, euh, avec une voile comme ça, elle, quand elle va décrocher et tout, elle, elle, va, elle va rester bien en forme, etc. Quand elle va repartir, elle va rester bien compacte, etc. qui peut lui donner aussi de, de l'inertie et de la vitesse. Une autre voile qui partirait avec les, les bouts d'aile encore un peu pas complètement ouverts, et tout, il pourrait y avoir un peu plus de traînée. Oui, mais bon, on ne généralise pas là-dessus puisque... Ça, on, voilà. Après de dire qu'une ENA favorise ça, il faut, on, moi je dirais plutôt que même avec une ENA, on, on peut rentrer dans cette situation sur un mauvais pilotage. Quoi. Maïva te demande euh, je suis débutante. <laughs> Est-ce nécessaire de prendre avec moi un kit d'arbrissage, cordelette, couteau, sifflet Tu vois <laughs> ces images, elles font penser à plein de trucs, hein, du coup. Alors, euh, eh ben je te dirais, ce que, toi, qu'est-ce que tu en penses, quoi est-ce que pour toi, c'est utile d'avoir ça? C'est toujours pareil. Après, tu peux, il y en a qui diront, ben bah non, c'est pas la peine, euh, ça arrive pas souvent. D'autres qui diront, moi j'ai ça, j'ai aussi ça, j'ai aussi ça, j'ai aussi ça, au cas où. Donc, c'est aussi une démarche personnelle. C'est sûr que le, le ton kit d'arbrissage, tu t'en serviras jamais, sauf le jour où tu arrives dans un arbre. Voilà, donc la question à se poser, c'est dans la balance, euh, est-ce que si tu, ça ne t'arrive jamais sauf un jour, est-ce que tu as besoin de l'avoir à ce moment-là ou pas quoi Voilà, donc je ne peux vraiment pas, personne ne pourra répondre à ta place en fait. C'est ça qui est euh, la, la limite de, de de cet échange. Voilà, c'est ça. Ben, tu, si tu penses que c'est important pour toi avec ce qu'il y a dedans, tu peux aussi faire ton kit il y en a qui ont aussi une, une trousse de secours, un hein, premier secours, etc. avec eux. Alors c'est sûr que suivant les endroits où on vole, euh, le type de pratique, c'est sûr, si on part en cross tout seul ou si on part en vol bivouac, on va pas amener le même matériel lié. C'est-à-dire qu'on aura un matériel qui sera directement lié à, à, aux besoins d'autonomie en fait. C'est sûr. Après, les gens qui volent sur site, euh, ils, ils considèrent qu'il y a du monde, que les secours peuvent être là, que on, on a des entreprises qui enlèvent des arbres, euh, etc. Donc peut-être qu'on fait moins gaffe, on est dans un milieu un peu plus aseptisé. Donc ça sera une démarche personnelle. Ouais. Cédric euh, te dit qu'il a appris chez Flyeo à faire des décros sans marche arrière. Ça marche, mais il faut être prêt à faire une grosse tempo. Oui, mais c'est-à-dire qu'il a appris. C'est ça la différence. Il a appris. En partant de bras tout en bas, remonter et dès que as les mains hautes, boom, tout de suite placer la placer la tempo. Oui, bien sûr. Quand on apprend, on peut apprendre plein de techniques, etc. Mais là, on est dans un contexte où, où justement le, ce pilote-là n'a pas fait d'apprentissage, donc il apprend par lui-même. Donc il apprend ses sports de la manière dont il apprend. Alors peut-être que lui savait que ses copains avaient fait un décro complet en remontant les mains et que ça allait, mais peut-être qu'il a oublié. Il a peut-être été surpris par le dynamisme de la manœuvre, du déséquilibre, et puis qu'il a oublié juste de faire une tempo très marquée au bon moment. Jérôme, j'ai une question intéressante de Lorraine, non pas le, la région, mais euh, bien euh, Lorraine, c'est son prénom, qui te dit euh, Que pensez-vous du fait de se documenter, de regarder des vidéos, notamment Wigmaster, d'emmagasiner un savoir théorique en aérologie, par exemple, avant même d'avoir fait son premier stage C'est mon cas, et un moniteur m'a dit qu'il valait mieux arriver en, en en sachant le moins possible. Et c'est vrai que des fois, on reçoit des mails de gens qui nous disent J'aimerais bien acheter Wigmaster, mais en fait, euh, voilà, on m'a dit qu'il fallait pas, parce que sinon, euh, j'allais avoir trop de trucs dans la tête et arriver. Avec un savoir, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis de, oui, de ça Oui, je, je pense qu'il faut un filtre au départ, donc déjà avoir une première approche et puis l'utiliser après en complément, même assez tôt. Voilà, après, se dire je vais prendre le maximum d'infos avant de le faire, le problème c'est que ça risque de polluer un petit peu euh, ce que va vous amener le moniteur. C'est-à-dire que le moniteur, il va essayer de vous amener des choses, mais il n'y aura pas la place puisque vous aurez déjà tout rempli l'étagère d'infos, de, de machins, de ci. Donc il va avoir du mal lui à passer les trucs et puis vous, vous allez dire mais non, mais j'ai vu ça, j'ai vu ci. Donc euh, la question c'est, est-ce qu'en en, en vous, que ce soit Wingmaster ou rien, ça peut être bouquiné, ça peut être regardé des pleins de tutos des vidéos etc euh, est-ce que ça va à un moment est-ce que ça va laisser la place à de nouvelles informations qui arrivent de l'extérieur c'est ça qu'il faut vous poser la question si vous êtes capable de prendre des infos et puis ensuite de les mettre un petit peu de côté dans, dans ce cycle d'apprentissage ça va être très bien mais c'est pas sûr ça je sais pas comment vous réagissez par rapport à ça donc il faut, il faut tenir compte de ça c'est exactement on, là on dit de, ce, de déjà s'informer se former théoriquement avant, mais c'est aussi euh, quand on a volé euh, 5-6 ans avec la même voile et qu'on change de voile, euh, pour, pour s'adapter à la nouvelle voile, c'est compliqué parce que y a, il, la, la voile précédente est tellement ancrée, votre gestuel est tellement ancré, etc., qu'il n'y a pas de place pour de la nouveauté. Donc ça, ça rame un peu et ça, ça demande un effort. Donc peut-être que ce n'est pas indispensable d'entrer, de démarrer avec un effort à faire pour accepter la nouveauté. voilà Effectivement, euh, Jérôme, donc ça veut dire qu'on qu qu peut regarder des choses comme Wingmaster, mais euh, qu'après, on n'arrive pas en disant oui, mais je sais, oui, mais Jérôme m'a dit qu'il fallait faire comme ça et pas comme ça. C'est l'avoir dans, dans, dans un coin de la tête, mais profiter Par de exemple, ce que va dire le, silence, le moniteur voilà. sur site, quoi. Exactement, ça, ça peut être contre-productif parce que le, le moniteur peut vous amener des informations qui sont liées à son contexte, son contexte aérologie, son protocole d'apprentissage, sa pente école, son matériel, donc des choses précises de la manière dont, dont il fait. Donc si vous vous arrivez déjà avec un euh, je sais ou je pense savoir ça, voilà, il va plus y avoir peut-être confrontation par contre si vous avez déjà Wingmaster vous pouvez déjà regarder des choses simples hein. euh, peut-être que le gonflage peut-être que le, le pliage comment on se met dans la scellette des, des petites astuces mais vous les gardez pour vous et puis à un moment quand vous serez en l'air par exemple ou sur la pente école vous dites ah bah ben ouais peut-être que et puis ça va, ça va se faire automatiquement il faut pas que ça se fasse en confrontation c'est ça que je pense mais plutôt en complément en accord Ouais, Eric dit j'ai fait mes premières pentes école avant de commencer à me documenter sur le net et je suis d'accord avec Eric. Moi j'ai découvert le parapente comme ça. Je me suis dit du jour au lendemain j'y vais. Je savais pas de quoi il s'agissait et, euh, et j'ai appris. J'ai commencé à me documenter après. Donc il y a tout tout est possible quoi. Où tu peux tout lire avant. Voilà. Et, euh, voilà, voilà, tout est possible. Ça dépend euh, euh, comment chacun fonctionne quoi. Voilà. Euh, Benjamin dit d'ailleurs j'aime regarder des vidéos mais je préfère apprendre des erreurs des autres que des miennes. C'est sûr que c'est moins traumatisant aussi peut-être euh, Oui mais après à un moment il faudra que tu sois confronté à toi, ta, ta manière de progresser. Quoi. Et c'est bien que toi aussi tu fasses des erreurs parce que c'est aussi comme ça que tu peux rebondir. Parce que si tu as une progression qui est parfaite au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans une situation où euh, tu ne te donnes plus du tout le droit à l'erreur. Donc tu as une pression de malade. Alors que si tu as fait des conneries un petit peu avant... Et puis que tu dis, ben là, petit à petit, tu t'es donné le droit à, à des fois à te gourer, à rater des gonflages, etc. Donc c'est voilà, c'est pas mauvais du tout de, de faire une, un petit, euh, de faire des erreurs pendant la progression. Au contraire, ça vous permet de vous de progresser à votre manière, voilà. Puis un truc dont tu parles beaucoup dans Wingmaster, c'est l'ego aussi, hein, c'est l'acceptation de tout ça et, euh, et ouais. la place que, que l'on y met, accepter les erreurs, accepter de revoir des vidéos. Euh, tu te souviens, j'ai mis la, la vidéo boules, où ouais. j'atterris sur le cul, euh, voilà, c'est oui. je, 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 je pas une fierté à, pour moi. À faire, à faire, à faire en voix, ouais. Ah, ça fait, ça fait mal celle-là, ouais, ouais, c'est ça, mais voilà, mais voilà pas, on, a, quoi, tout ça, on, pareil, on a tout ça. C'est pareil, c'est-à-dire montrer aux autres quand on se fout dans les arbres et tout, c'est pour ça que je remercie les pilotes qui balancent des vidéos où ils se mettent dans les arbres et tout, il y a un effort à faire là-dessus parce que là, vous balancez ça en plus sur des réseaux publics, il y a le regard des autres. Et ça, dans, dans le, la préparation mentale, c'est important aussi, c'est d'essayer de se recentrer pour se détacher du, de, de ce regard des autres qui, qui peut aussi être très prégnant, très, très lourd, très euh, insistant, etc. Donc ça demande un, gros, un, ça demande un effort. Donc il y en a qui arrivent facilement et d'autres qui, euh, qui ont du mal à se détacher de ça. Quoi. On a euh, une question encore de Mathieu, quelle est la limite entre la confiance nécessaire et l'excès de confiance Comment euh, est-ce que tu ressens le euh, il dit comment la ressentez-vous donc j'imagine la frontière entre les deux ben c'est déjà de se poser la question, je pense. C'est-à-dire que quand... Euh, là, je, moi, je viens sur mon expérience, je sais pas, en, en, il faut aussi se méfier de c'est la gestion émo des émotions. C'est-à-dire que il faut que tu acceptes l'émotion. Par exemple, la joie, là, dans, dans ce cas-là, il faut faire gaffe à, à quelque chose d'euphorique. Parce que d'euphorique, ça va être... Tu es blindé d'hormones, tu as l'impression qu'il ne peut rien t'arriver. Euh, Excès de confiance, et donc tu n'es plus trop attentif à ce qui se passe, tu fais plus trop gaffe s'il y a des alarmes autour de toi, aérologiques, d'autres personnes, euh, évolution des conditions, euh, erreur de pilotage, etc. Donc attention, déjà te poser la question où tu en es toi, en fait. Parce que quand quelqu'un dit qu'il qu qu a une grosse émotion de joie ou qu'il qu est dans un stade euphorique, un même pilote au même endroit ne, ne ressentira pas les mêmes choses. Hein. Donc il faut. Toi te demander, euh, est-ce qu'à un moment, si c'est si est-ce que tu te sens en excès de confiance et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être en excès de confiance Peut-être que tu as d'autres euh, éléments, d'autres événements dans ta vie qui ne sont pas obligatoirement dans le parapente ou où tu où, où as déjà vécu un excès de confiance. Donc ça peut être, tu, tu peux avoir un moment dit hop. « Attention, là, je suis en train de rentrer dans de l'euphorie, dans de l'excès de confiance. » Moi, personnellement, j'ai ressenti ça euh, sur le, des excès de confiance ou sur des ultra-trails, en fait, très longs, quand on cumule fatigue, etc., etc. Euh, je rentrais euh, des fois dans des stades d'euphorie qui ont dit « Attention à là, parce que tu, tu te crois euh, tu te crois Kiki, Kilian. et puis euh, c'est ce que tu ressens, et, mais en fait, ce, tu vas trop vite, etc., tu fais plus trop gaffe, et derrière, tu as souvent un énorme... » coup de bambou qui, qui peut te faire stopper abandonner quoi donc il faut avoir un moment un déclencheur attention je suis en train de monter là je fais plus trop gaffe euh, je suis en excès de je il, il peut plus rien m'arriver alors qu'il reste 100 km à courir et puis bim retour de vendange alors si c'est entre ce c'est pas grave on s'arrête au bord de la route on s'assoit et puis voilà mais en vol c'est pas la même chose quoi. donc te poser la question ouais. On a Olivier qui nous dit sur YouTube, euh, sur le live de, sur YouTube, à chaque fois que j'ai un doute ou du stress, je me recentre sur les faits, sur ce que je vois, ce que je comprends, et tout en me parlant. Ben voilà, voilà, par exemple, euh, un protocole personnel euh, sur une phase de doute. Hein, c'est ça que je comprends au début euh, de la question, Seb. C'est ça, c'est qu'il est dans une phase de doute. donc. Oui, c'est ça. À chaque je... fois que j'ai du doute, il dit, y... ou du stress, voilà. il se ressente sur les faits. Donc, ça veut dire qu'il fait pas d'interprétation, en fait. Il se, se concentre sur ce qu'il voit et ce qu'il se... qu comprend tout en se parlant. Voilà, donc ce, ce pilote a mis en place de manière autonome, autodidacte, ou peut-être qu'il a été accompagné pour mettre en place ce protocole, mais ça a l'air d'être un truc qui marche pour lui, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il commence à douter, il met un protocole en marche. Ça peut être donc là un protocole de, il se pose des, les bonnes questions, il vérifie euh, des choses factuelles, etc. Donc lui, pour lui, il a mis un protocole en marche. Et c'est ce qu'on fait quand on dit on fait de l'entraînement mental, c'est que quand on, on se retrouve dans des situations et qu'on est conscient, de la situation, que ça peut être une situation de stress, une situation de peur, etc. Tout de suite, quand on a ce déclencheur-là, on met en place quelque chose. Donc, ça peut être une, 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 une... est-ce que je suis détendu, par exemple, mais musculairement On peut mettre en place ça on peut mettre en place une respiration par exemple, on peut mettre en place un dialogue interne aidant. Et c'est ce qui a l'air de, de, de ce pilote c'est ce qu'il a l'air de faire c'est qu'il va se parler d'une manière pour sortir de cette phase de doute ou au moins avoir les bonnes réponses. Parce qu'une fois que vous sortez de cette phase de doute, ce qu'il fait, de ce protocole, à un moment, il va trouver la bonne action. C'est ça le but, c'est de retrouver la bonne action. Parce que s'il reste dans sa phase de doute, euh, qui peut peut-être euh, virer vers de la peur, etc. Donc, des sensations physiques, contractions, etc., moins de ressentis, et ça va finir par faire de mauvaises actions. Voilà. Vous voyez le cercle, donc il faut sortir de ce cercle. Donc il faut qu'il y ait un déclencheur, et lui, son déclencheur a l'air d'être quand il voit qu'il commence à douter de quelque chose. Ça, c'est son déclencheur d'un protocole pour sortir d'un cercle vicieux. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en, quand on dit en entraînement mental, quand on questionne les pilotes qui viennent et qui veulent. Euh, qui, qui veulent essayer de gérer une problématique. Par exemple, euh, je sais pas, je suis en thermique et puis dès que je vois du monde arriver, euh, j'ai peur, par exemple, etc. Donc, en questionnant petit à petit, on essaye de euh, le pilote. Euh, amène en réévoquant des événements des choses très précises euh, et, et c'est avec ces choses précises on va lui demander et là qu'est ce que tu souhaiterais faire est-ce que comment tu pourrais changer d'état physique d'état de ressenti etc et avec lui on va mettre en place des outils voilà et là on a un très bon exemple de, de protocole que ce pilote a mis en place alors peut-être qu'il n'a pas fait consciemment au début mais finalement il l'a mis en place et ça a l'air de marcher voilà. C'est une question de Hervé toujours sur le, sur le live YouTube cette fois. Et que faire quand on est en sous-confiance Après m'être mis sous le vent, par exemple, j'ai du mal à reprendre confiance. Ah, C'est-à-dire qu'après avoir un vol où tu as perdu ta confiance, c'est le fait de revoler et, et te remettre dans une situation qui a créé ce, ce, cette perte de confiance au début. Et bien là, le, le questionnement avec toi, ça serait de peut-être, hein, je, je, c'est des hypothèses parce qu'on n'est pas face à face, et puis je fais des, je fais des hypothèses, de dire ben, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es retrouvé sous le vent Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi de cette perte de confiance Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur Est-ce que tu as une croyance que tu as vu quelque chose, etc. Et il faut qu'on trouve le moment en fait, où ça a basculé dans, dans, dans la perte de confiance. Et on travaille à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que tu aurais besoin euh, pour retrouver de la confiance Donc on pourrait dire eh bien, reviens un petit peu avant. Pourquoi un quart d'heure avant tu étais en confiance Qu'est-ce que représentait pour toi la confiance Qu'est-ce que tu ressentais Comment tu étais, etc. Et est-ce que tu ne peux pas retrouver cette, euh, cet état en fait dans, dans une situation où tu perds ta confiance. Et ça, le truc, c'est de retrouver un état de confiance que tu connais, que tu as déjà vécu ailleurs. Voilà. Donc il faut questionner. Le questionnement est extrêmement important en accompagnement, euh, en sur l'entraînement mental, puisque moi, euh, ou n'importe quel préparateur mental, n'est pas dans votre tête. On n'a aucune idée de ce que vous faites, parce qu'on peut très bien euh, accompagner des gens, et on ne fait pas du tout les mêmes sports. Hein. Mais donc, on est obligé de vous questionner pour savoir ce que vous faites, et le questionnement vous permet vous aussi de conscientiser ce que vous faites. C'est extrêmement important. Vous découvrez des trucs, et nous on les découvre avec vous. Et ensemble, on va euh, trouver des solutions, un protocole. On va co-construire quelque chose. C'est pour ça que souvent on nous dit "Ouais, là, qu'est-ce que tu peux faire et tout Bah, ben, il y en a, y en a, il y a plein de solutions ou d'outils, mais... Certains outils ne, ne conviennent pas à des pilotes, conviennent à d'autres, etc. Donc c'est très personnel derrière, ouais. très individualisé. Ouais. On a, plein de, on a plein de questions, euh, Jérôme, auxquelles tu vas pouvoir euh, répondre. On, je peux signaler tout de suite que on, tu parleras de la partie mentale juste après euh, l'intervention de Damien Lacaze. Euh, ouais, et on, on, voilà, il, là, il va y avoir des choses sinon, euh, hyper ouais, intéressantes. Sinon, je peux faire, euh, on peut faire le premier, la première page que, es, que ouais, as si tu as fait apparaître. Hein, voilà, si comme si ça, et ça, ça permettra de faire euh, déjà une première, euh, un premier socle et puis on, Allez, on rebondira. Dessus, donc, à Puisqu'on parle, on parle du mental parce qu'effectivement il y a plein de questions. Par exemple Mathieu qui dit oui. est-ce que le doute n'est pas pire que la confiance euh, Perso si je doute j'ai peur. Donc là Jérôme va nous faire un petit euh, une petite un, session, un, un, voilà. voilà théorique point, euh, de cinq minutes, minutes euh, voilà pour nous expliquer, voilà. pour nous expliquer euh, sa conception de, de tout ça. Comment comment euh, on, on pose les bases du mental derrière tout voilà. ça. Donc, sur ce, cette première page, euh, voilà, c'est juste pour, pour, vous montrer, en fait, quand on parle d'optimiser la performance, en, là, je l'ai mis, j'ai mis en travaillant parce que chacun, il faut, il faut mettre en place quelque chose, il faut que ce soit une demande de votre part, personne ne le fera à votre place. Et, euh, quand on parle de performance, là, on est dans du sport, on est même pas encore plus précisément dans du parapente, mais on peut parler de performance. Quelqu'un, je ne sais pas, qui va faire une conférence devant 100 personnes, un musicien qui est euh, un artiste sur un Woman Show, je ne sais pas, quelqu'un qui va, euh, je ne sais pas, sur un chantier, j'ai des idées comme ça qui me viennent, qui va sur un chantier qui est plutôt engagé, un chantier en bâtiment, euh, un chantier sur corde, par exemple, avec une ambiance très engagée, avec de la pression, il peut très bien avoir besoin de faire un geste et d'optimiser ce geste, en fait. Donc là, nous, on parle de parapente, donc optimiser une performance parapente. Vous savez tous, puisque vous travaillez tout ça, ceux qui volent déjà et ceux qui vont euh, apprendre, on va travailler la technique, comment on gonfle, etc. On va travailler le, alors, comment on enroule un thermique, comment on creuse, comment on appuie sur son, son accélérateur. Ça, c'est de la technique pure. Et ensuite, on va travailler la tactique. La tactique, ça peut être ben, à tel endroit, je me mettrai comme ça. Là, il faut que je me mette en attente, par exemple. Euh, là, il faut que j'observe. Là, il faut que je lise des bouquins, que j'organise en fait euh, tactiquement me, ma performance. Après, il y a le côté physique, on en a parlé aussi, c'est-à-dire être en forme. Euh, être en forme pour aller voler, ça peut être euh, une, une bonne hygiène de vie, etc. Ça peut être bien s'alimenter pendant un vol. Donc tout ça on connaît. Mais il y a toute une partie qui apparaît maintenant depuis quelques années. C'est on peut aussi s'entraîner pour le mental parce que le mental n'est pas du tout inné. Des fois on entend euh, ouais, lui, il a vachement de mental. Moi, j'en ai pas. Non, non, c'est pas comme ça. C'est que chacun peut en avoir. Il suffit, il faut simplement le travailler. Comme vous faites du gainage, on en a parlé sur un live. Emily voulait faire euh, savoir s'il fallait faire du gainage pour du, du gainage, c'est-à-dire des abdos euh, statiques pour euh, avoir une bonne posture quand on vole d'ailleurs je me redresse en pensant au gainage euh, et euh, voilà mais on peut faire pareil avec le mental en fait c'est à dire que le mental va s'entraîner c'est accessible à tout à, à tout le monde et c'est pas du tout c'est aussi une croyance que c'est réservé que à des, à des personnes qui sont dans le haut niveau alors pas du tout c'est à dire que vous pouvez très bien vous entraîner sur du mental sur, pour un stage d'initiation ou pendant un stage d'initiation parce que le mental on va le voir euh, ensuite va, va toucher plein de on dit d'habiletés mentales et vous allez bosser sur environ 7 8 9 habiletés mentales ou moins mais on va on va voir ces habiletés mentales et c'est à partir de ces habiletés mentales que chacun va dire voilà moi je, je pêche un peu dans euh, j'arrive pas à me concentrer par exemple ou d'autres, va dire, moi j'ai beaucoup de mal à, à fixer des objectifs. Ça, ce sont des habiletés mentales. Et une fois qu'on a défini ça, ben, on, va, on va mettre en place des outils pour travailler les habiletés mentales. Alors je ne sais pas, là, si on a deux minutes, tu veux... Vas-y, on, oui, oui, on, 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 on est là, on là avec le, toi. Qu'on mette, qu mette la page avec les habiletés mentales pour que vous... Et on la remettra. Hein. Voilà. voilà. C'est pour que vous ayez, voilà, une fois qu'on a passé cette page, qu'on va travailler le mental, maintenant on rentre dans l'entraînement des habiletés mentales. Et là, vous allez, j'en ai mis 8, je crois, 3, 6, ouais. Et, et voilà le, le type d'habileté mentale qu'on va entraîner la fixation d'objectifs, c'est-à-dire comment placer un objectif. Euh, on en a parlé sur des lives, par exemple, est-ce que c'est, est-ce euh, que, par exemple, Poser des objectifs, je rentrerai pas dans les détails de tout, mais vous donner un exemple de dire sur un vol, ben voilà, aujourd'hui il faut que j'arrive à faire 40 km, c'est-à-dire avoir un objectif de résultat. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir un objectif de résultat Ça peut être très anxiogène. On peut perdre sa confiance en mettant de mauvais objectifs. La motivation. Euh, comment garder sa motivation euh, dans des moments difficiles pour euh, se remettre à voler, etc. Euh, pendant un vol, quand on arrête, etc. La motivation est importante, il faut que ça vienne de vous en fait. La gestion des émotions, on va en parler un peu avec Damien tout à l'heure. Euh, comment gérer ses émotions Les émotions, c'est quoi les, les cinq principales, après il y a plein de dérivés, il y a la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût. Voilà, ce sont les cinq émotions principales. Et nous, sur quelles émotions on, est on peut être confronté en vol, ça peut être la joie, la colère, la frustration, quand on a posé, on n'a pas fait le bon vol. Et en l'air, on peut être confronté à, à la peur. Voilà, une autre habileté mentale sur laquelle on travaille, c'est la confiance en soi. Que, comment améliorer la confiance en soi après un incident ou pas du tout. On peut très bien être en l'air et, et, et ne pas avoir confiance en soi. Donc, on peut, on peut mettre des outils qu'on peut utiliser en l'air, mais on peut aussi, ces habiletés mentales se travaillent pas obligatoirement pendant le, le vol hein, ça peut se faire avant, après. Euh, la concentration aussi, quand on fait son premier gonflage euh, en parapente, le premier ou le millième, sur quoi on porte son, son attention quand on fait le gonflage. Et on ne peut pas porter l'attention. Si on porte l'attention sur des trucs, des fois, ça ne marche pas. Et si on porte l'attention sur les bonnes choses, ça marche très bien. Euh, un exemple je suis en train de gonfler ma voile et je ne porte l'attention que sur courir vite. Et bien ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'on zappe la voile. Donc il faut peut-être, avant de courir vite, porter l'attention sur la montée de la voile. Je vous donne un petit exemple comme ça. La visualisation, on en a parlé déjà depuis le début, c'est. Euh, Comment, par exemple, préparer son vol Là, euh, on va pouvoir peut-être dans globalement, on va pouvoir faire un peu de sport, aller dehors à partir du 11 mai, peut-être du vol, on l'espère. Donc, est-ce est qu'avant, je, je peux visualiser un vol que je vais faire, même si c'est un vol simple hein, est, On n'est pas, on peut visualiser, on peut visualiser ce qu'on veut. C'est ça qui est important. Ce qui est, ce qui est nécessaire, c'est de, de pouvoir visualiser de manière positive, en fait, pour que vous puissiez ancrer. Euh, emmagasiner des images positives. Alors quand on dit image en visualisation, on peut rajouter l'auditif, on peut rajouter ce qu'on ressent, on peut même remettre des odeurs hein, dans, dans de la visualisation. On fait vraiment un film et on le crée à, comme on veut, comme on, on le souhaite, ce, ce dont on a besoin. Et on peut soit utiliser que de l'imagination, que de l'imaginaire, soit euh, rebondir ou utiliser des images qu'on existe déjà. Voilà, par exemple, des, des vols qui vous font rêver, etc. C'est hyper important de pouvoir rêver sur un vol parce que ça va enclencher des images, des bonnes émotions, etc. L'organisation dans les habiletés mentales, comment vous vous organisez. Voilà, c'est-à-dire un planning, marquez vos vols, par exemple, marquez comment se sont passés vos vols. Ça, ça peut être quelque chose à entraîner. Si, si vous avez une si dans l'optimisation de votre performance, l'organisation ça pêche en fait et, et, et une mauvaise organisation n'est pas aidante. Je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse. La régulation, là c'est la dernière que je vous propose. La régulation, c'est à un moment, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes sur un décollage, quel que soit votre niveau, et vous posez la question dans quel état physiologique ou je veux dire dans quel état énergétique je suis. En fait, comment je me sens Est-ce que je me sens super speed, énervé Est-ce que je me sens, euh, comme dirait Pat Moroni, euh, nerveux comme une flaque d'eau euh, Voilà. Donc, euh, il, il va falloir réguler. Soit vous activer si vous êtes comme une flaque d'eau. Peut-être qu'il faudra un peu plus de patates parce que vous, a, vous allez rentrer dans de l'action. Donc, il faut être peut-être un peu plus lucide, etc. Ou si vous êtes trop speed, descendre un peu la pression pour pas que ce trop speed, ce, cet énervement, ou, ou je sais pas, où ce stress, ou ce, ce trop d'énergie, ait une, une mauvaise influence sur votre gestuel, par exemple, ou simplement sur votre ressenti dès que vous êtes en l'air. Voilà un petit peu, euh, pour faire un petit tour de la préparation mentale, voilà un petit peu comment ça se passe. Et après, on travaille de manière plus concrète en fait, mais c'est là où le questionnement devient très important avec une personne. C'est pour ça que c'est dur de faire une préparation mentale avec un groupe, puisque chacun va avoir des besoins différents, des problématiques différentes, etc. Donc il faut questionner chaque personne et, et le questionnement, ça s'appelle l'explicitation, va permettre de de, de de venir que, que certains éléments particuliers très précis viennent en conscience. Et on va travailler là-dessus parce qu'on va dire est-ce que cet élément qui vient va t'aider ou au contraire va te limiter. Et si ça limite, eh ben on va les faire évoluer pour que ça devienne aidant. Par exemple, un dialogue interne, euh, merde, 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 là je vais me la prendre sur la gueule, je vais me la prendre sur la gueule, je vais me la prendre sur la gueule, ça c'est un dialogue interne qu'on peut avoir et qui aurait tendance à, à ne pas être aidant. Hein. Par contre, dire je euh, j'y arrive, allez Philippe, tu sais faire, tu sais faire, ça tu es déjà passé là, tu connais bien ta voile, ça c'est un discours interne qui peut être aidant. Voilà les choses qu'on peut faire évoluer. Merci Jérôme, hyper intéressant sur sur le mental comme ça, euh, dans la dans la confiance, dans la gestion de de la confiance en soi. Euh, et effectivement, euh, on pourra le le rappeler. Toi-même, tu proposes euh, de la de la préparation mentale à titre individuel hein, en tant que préparateur mental. tu as un DU de, de préparation mentale. Donc, les pilotes qui sont intéressés pour de la prépa mentale personnelle, vous pouvez passer une heure avec Jérôme euh, par Skype en ce moment. Euh, voilà, à titre individuel. Ah. Et ça permet, ça permet une préparation. Hein. Ça, ça doit être individuel. Ce qu'on fait en groupe, c'est plutôt de la, c'est plutôt donner des pistes, euh, de donner des outils, par exemple au, au groupe de se après un vol de se débriefer entre eux en, en se posant les bonnes questions, par exemple. Ça, ça donne. On donne certains outils d'autonomie en, en fait. Mais après, pour des problématiques particulières, oui, c'est c'est du tête-à-tête, c'est ensemble. Alors la, la visio marche bien. Après, on peut faire aussi du présentiel, etc. C'est-à-dire être vraiment euh, en lien, en lien direct. Voilà. Mais ça, c'est parce que ça doit être individualisé. C'est difficile d'individualiser avec six personnes euh, ou dix personnes en face de nous. Alors après, on peut faire un mixte, c'est-à-dire des stages de cinq jours, par exemple, comme fait Delphine, euh, Delphine Pille, euh, de, de, de mixer parapente et préparation mentale. Mais comme tout le monde vient pour le même objectif, ça marche bien. Et il y a des moments dans ces stages qui sont euh, des moments tous les jours qui sont des, des petits moments individuels. Voilà. Et là, on va en parler avec Dame, je pense. On va en parler avec Damien dans quelques instants. Et puis, je vous rappelle que euh, samedi, on aura un vraiment euh, gros live, euh, au moins pendant trois heures, a priori 17h-20h, euh, avec plein de plein d'infos, plein d'intervenants sur le déconfinement. Et on aura une pratique justement euh, de préparation mentale avec Jérôme, avec Delphine, avec une sophrologue qui sera là également pour vous donner euh, des petits trucs, des astuces, et puis des voilà visualisation, respiration, etc. On on va en parler euh, samedi pour vous faire des techniques pour euh, vous remettre en confiance, pour euh, vous préparer à ce déconfinement, pour euh, mieux voler peut-être, en tout cas pour, pour être apaisé avant de reprendre la voile et, et aller euh, décoller. Donc ça, on verra ça euh, samedi. Voilà. Vous pourrez euh, et, les, et, les, oui. et surtout les. Ce qu'on peut rajouter, c'est que les outils que vous a, vous avez, vous, le but c'est que vous les utilisiez de manière autonome après, mais pas obligatoirement pour le pour le vol. Euh, la gestion de la confiance, c'est pour la vie quotidienne. Hein. Donc les, les outils que vous mettez en place, que vous pratiquez, etc., pour qu'ils soient efficaces, vous, bon, ça s'utilise tout le temps. Hein, voilà. Et Olivier qui demande où tu enseignes, Jérôme seulement à la Réunion. Maintenant, Jérôme est rentré, il est à Grenoble maintenant, donc Et il oui. est en métropole. Donc la Réunion c'est fini, ça sera ça sera sur Grenoble, non. Annecy, on va on en parlera. Voilà. Bah. Pour le moment, j'ai pas de, de structure fixe puisque je viens juste de, de changer. Donc euh, voilà, je ne, sais, je ne sais pas donc, encore. Donc à suivre. On, on va voir ce qui se passe. Allez, je vous rappelle avant qu'on retrouve Damien Lacaze, euh, ce parapentiste exceptionnel qui est dans quelques instants avec nous en, en direct. Je vous rappelle qu'on a euh, avec Rocks Outdoor une promo là que René vous offre en ce moment. Allez voir le site, plein d'infos, plein d'articles, euh, plein de conseils techniques, mais aussi des petits objets à vendre comme, comme euh, tous ces objets qui sont Là, avec 10% de réduction avec le code euh, Wing10 euh, avec des poignées Grip, le Vario Alti Plus de Fairhaven, l'accélérateur Bullet Speed Bar et ses deux radios. Moins 10% si vous y allez de notre part avec le code Wing10. Merci à René. Et puis les ailes du volcan pour aller voler aux Açores. Allez voir ce site hyper euh, hyper chouette de, de Thierry. Puis c'est un site qui est, outre le site internet, le site même des Açores euh, est assez impressionnant. Regardez ces images. Euh, c'est l'île de Sao Miguel, 25% sites officiels et variés, du soaring en bord de mer des vols de falaise, des vols de plaine, tout cela dans un dépaysement total et tout à l'heure il y aura une petite question, donc restez avec nous pour gagner un bon de réduction de 30% sur un séjour d'une semaine là-bas un chouette endroit, pas très loin d'ici, donc pas beaucoup d'heures de vol on espère qu'on pourra y aller après le déconfinement et voilà, et donc Thierry vous offre un bon de réduction de 30% sur un séjour, donc restez avec nous il y aura une petite question tout à l'heure, avant qu'on retrouve Damien euh on va euh, montrer quelques images euh, de... C'est euh, bah, où, Jérôme Est-ce que tu peux nous expliquer le, le, le contexte ah bah C'est Damien qui expliquera. C'est pendant leur, euh, leur vol bivouac de 15 jours avec Antoine Girard. C'est au Kazakhstan. Euh, non, au Pakistan, excusez-moi. Et voilà, donc ils sont sur des grosses altitudes. Euh, ils sont en autonomie complète. Donc, on va, on va discuter avec, euh, avec Damien, justement. Quand on moi je regarde ces images, ça me fait rêver, mais en même temps, ça, ça m'impressionne énormément. Quoi. On va voir ça avec lui. Quoi. Donc, là, ouais. ils sont à des altitudes, grosse aérologie. Ils sont pauvres. À un moment, ils annoncent Vous regarderez. Ça dure 15 minutes. On a pris juste un extrait pour vous montrer l'ambiance. Ah, allô, bonjour. Moment... Salut Damien, bah ah bah Damien, Damien nous rejoint. Voilà, pendant qu'on voit les images. Euh, donc Damien, tu dois voir les images. Là, on a lancé ça. Euh, combo au Karakorum en 2018. Voilà. C'est bon, ça marche, je vois tout. Ouais. Tu vois Et tout Tu as remis la, ta sellette fétiche pour les tutos. Hein C'est ça. C'est mon meilleur fauteuil en ce moment. Exactement. Bon, on était en train de regarder la vidéo. Est-ce que tu peux. Alors, attends, je vais te présenter ce que je n'ai pas encore fait pour ceux qui ne te connaissent oui. pas, euh, Damien. Effectivement, euh, tu as découvert le parapente. Alors, attends, je vais, je vais remettre cette petite image là. Voilà. Euh, tu as découvert le parapente à l'âge de 22 ans. En 2011, tu fais tes premières compétitions de distance. Obtention du, dip du diplôme de moniteur de parapente en 2012. Traversée de l'Atlas marocain en vol bivouac en 2013. Euh, en 2014, le pôle... tu intègres le pôle France 11e au championnat de France. 11e à la Super finale PWCA en Turquie, quatrième à la Coupe du Monde en 2016, premier à la Born to Fly en 2017, assistant de vol de Benoît Wouters à la X-Alpes, où vous avez fait deuxième, et en 2018, donc 1500 km de vol bivouac au Pakistan avec Antoine Girard, deuxième plus haut vol de l'histoire, 7961 mètres. Chapeau, voilà pour les gens qui ne te connaissaient pas, et je te laisse entre les mains de Jérôme, on a plein de questions, et puis des questions certainement des parapentistes qui nous suivent, et on a a vu effectivement il y a quelques instants ces fabuleuses images là euh, de vol peut-être tu peux nous en dire quelques mots alors euh, je... Euh, juste avant, Damien, voilà, c'était. On regardait les images et juste avant, je ne sais pas si tu écoutais, mais je te, on, on parlait justement de, de, de la confiance, en fait, euh, co comment gérer sa confiance et tout. On parlait aussi de visualisation. Et moi, quand je vois les images et puis quand j'ai re regardé, la, ça dure 15 minutes, la, la, la présentation de ce film, à un moment, tu dis, voilà, les, quand j'avais vu les images d'Antoine, ce truc-là m'avait fait rêver, quoi. Voilà. Et on a dit avant que, le, que de rêver en regardant des images, c'est c'est extrêmement important, c'est une manière de, de monter sa motivation et de mettre en place des actions pour, euh, pour vous faire des voyages, pour faire des vols etc quoi Ouais alors euh, au sujet du, du Pakistan ou de l'Himalaya en général, ouais. c'est vrai que avant ce, ce vol record d'Antoine en 2016 ça m'attirait pas beaucoup je pense plus par ignorance que autre chose j'avais des idées préconçues dessus, je dis ouais l'Himalaya ouais. c'est trop loin, ça m'intéresse pas et je préférais pré planifier des vols bivouac pas trop loin, comme au Maroc ou, euh, ou dans, les dans les Alpes. Et puis, en fait, quand j'ai vu ces images-là, j'ai dit Mais non, mais c'est là-bas qu'il faut aller. Est, ouais. est... Et c'est là qu'est né ce, ce rêve-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était, euh, je, je crois que je, le, je, le, je dois le dire ça, dans, dans l'article, que c'était un peu la, le nouveau Eldorado des, des aventuriers ouais. parapentistes, un peu comme les alpinistes il y a, a 100-150 ans dans les Alpes. Ouais. Quoi. Où, où tout reste à faire et, euh, ouais. et ça, ça fait vraiment rêver, ouais. Et ouais. du coup, depuis ce, ces images-là, de où il survole le brode-pique, j'y j'ai ouais. pensé euh, quasiment tout le temps et je dis un jour, il faut que je le fasse. Ouais. Et j'avoue que euh, je l'avais dans un coin de la tête, mais j'ai pas fait grand-chose pour monter le truc jusqu'à. Euh, cette XAL 2017, où la semaine euh, qui, qui précède la course, c'est un peu long, alors. il y a des interviews avec ouais. les athlètes, les machins. Et du coup, avec Antoine, on discutait, et il me dit qu'il y allait euh, en 2018, et il m'a proposé d'y aller. Donc, euh, forcément, j'ai sauté sur l'occasion. C'était une bonne Donc, ça opportunité, ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai, moi, quand je regarde les images, le... je... euh j'ai euh, une première truc où les trucs me font rêver mais m'impressionnent tellement que j'arrive pas à me projeter là dedans en fait c'est d'un coup pour moi le il y a trop de trucs à gérer ou, ou des trucs à gérer qui sont de toute façon euh, de l'ampleur de, de l'ambiance qu'on peut voir et je m'en sens pas capable euh, voilà j'arrive pas à me projeter je pense que se projeter visualiser rêver ça peut être un bon moteur pour, euh, pour pour placer une organisation et justement répondre à toutes ces questions quoi. Ouais, euh, j'avoue que je ne m'étais pas imaginé toutes les péripéties et, ouais, ouais. et les conditions et l'engagement qu'il y aurait avant de partir. Sinon, euh, je, je dis, je ne sais pas si j'y serais allé, j'y serais peut-être allé quand même parce que c'était quand même un rêve. Euh, mais euh, ça s'est quand même avéré plus engagé, plus compliqué que, que prévu, avec des péripéties un peu plus compliquées aussi. Après, les conditions en soi ne sont pas malsaines du tout. Oui. C'est très, très puissant, mais c'est pas malsain. Oui. Donc ça vaut, ça vaut pas euh, une journée de printemps avec du nord dans les Alpes, c'est plus ah, cool oui. que ça. Quoi. Mais, euh, mais par contre, oui, il y a, y a des endroits où tu n'as pas le droit de poser, parce que sinon tu marches une semaine, euh, voire voilà. plus. Donc y a, il faut se, se mettre en, condi en condition qu'il y, y, y a des moments où c'est interdit de poser, ou alors si on pose, c'est en altitude pour pouvoir redécoller le lendemain. C'était interdit de poser en fond de vallée, par exemple. Et là, est-ce que quand le... Peut-être que d'autres pilotes se posent la question. Quand il y a l'ambiance qu'il y a, on voit, on voit dans, ce, dans ces 15 minutes aussi des posés où, bon, il ne faut pas rater le posé. C'est des posés qui sont assez toniques parce que tu n'as pas le droit à passer 15 fois, il faut que ça marche tout de suite. Euh, tu as, as été euh, confronté à, au niveau des émotions, sûrement de la joie, des trucs euphoriques quand tu étais très haut, là ça devait être truc de malade. Et en même temps, est-ce que tu as, as eu des, des émotions type peur où tu te dis, là là, c'est chaud patate ou c'est... Euh, euh, je, me suis, je, je suis engagé dans un truc qui est, qui est trop gros pour moi ou je sais pas, j'en je, sais rien quoi. Donc, comment tu as ouais. vécu ces moments-là, sur... Alors, les poser pas trop. Les, les poser, alors euh, ceux où on voit où Antoine s'écrase, où il se casse la ouais. cheville, euh, etc. Là, en effet, on avait droit qu'à une seule essai parce que il n'y avait plus rien qui montait et c'était plat. Après, il y a beaucoup de posés où on. Rappelle-moi la, de, la deuxième partie de ta question après. Il hein. y a, y a beaucoup de. Oui oui. oui, oui, non, mais c'est juste pour que j'y revienne. Il y a beaucoup ouais. d'atéraux où en fait on se posait sur des crêtes ouest euh, quand c'était encore allumé, donc c'était fort encore, on ne voulait pas prendre le risque de se faire avoir en fond de vallée, donc on se posait assez tôt, et là par contre on s'y reprenait 10-15 fois parce qu'on en fait, on, on posait dans le thermique, tu vois. donc ouais. ça finissait à chaque fois, tu vois les trucs bien accidentogènes, où tu, tu tires les oreilles un peu plus fort, ou tu frôles la pente un peu plus parce que tu arrives en crabant, en remontant, et puis tu ouais. t'écrases les mains sous le cul... Parce que tu pas permis de te faire remonter euh, euh, pour la douzième fois consécutive. Donc il y avait okay. les deux. Mais euh, ouais, ouais c'était des moments où on était quand même assez concentrés. Et, Et voilà. Donc, donc ça, c'est un élément aussi de, de mental, c'est voilà, de, sur des moments importants, pouvoir euh, mettre le paquet de concentration, etc. Et donc sûrement dans des vols, des moments de relâchement euh, où il y avait moins de concentration, c'est sûrement plus contemplatif où tu pouvais lâcher un peu la, la lâcher la pression, quoi, lâcher euh, la tension. Ça, oui, il y en a, il y en a eu enfin, des moments vraiment d'explosion de, euh, émotionnelle. Il y en a eu pas mal, vraiment. vraiment. C'était juste des aboutissements de rêves de ouais. plusieurs années. Donc, quand, quand tu arrives à quasiment 8000 mille, tu Quand tu arrives sur le Broad Peak, ouais. pareil, tu exploses. Mais avant ça, je sais que moi, j'aurais pas eu Antoine qui connaissait le terrain et qui, niveau mental ouais. et niveau… Euh, niveau je pense c'est la personne Technique, la plus sûre ouais. d'elle de, ouais. ouais. que j'ai jamais rencontrée en vol. Il m'a vachement tiré pour ça, tu vois. Moi, m'engager par exemple sur le glacier du Baltoro, remonter les Trango Towers, tout ça, jusqu'au Broad Peak, je me suis posé la question plusieurs fois quand on était à deux là. Seul, je pense que ouais. j'aurais pas fait. En sachant que c'est interdit. À, à cause, c'est quoi Parce que c'est trop impressionnant ou c'est trop technique non, alors C'est tout... pas le danger, c'est pas la dangerosité. C'est juste que c'est un glacier qui fait euh, entre 40, 40 ou 50 km que, que des blocs, donc il y a peu d'aterro, C'est que des blocs comme des autobus en bas. Et il euh, n'y et a pas, depuis l'endroit où on a décollé jusqu'au Peak, il n'y a pas d'autres endroit où tu peux décoller. C'est que des falaises, genre uh, Trango Towers ou des trucs comme ça. Donc uh, ça veut dire que quand il va au fond. Retour, ouais. tu... voilà, sure. Il faut forcément en ressortir. Et tu rajoutes à ça le fait que c'est interdit, qu'il y a des camps militaires à poser en bas partout. Et que, donc si on se pose en bas, c'est sûr qu'on finit en prison pendant un moment. Quoi. Et en plus, Antoine ne pouvait pas marcher avec sa cheville pétée. Donc. Fin... Les 40 km de glacier, je ne sais pas comment on le serait descendu. Donc, c'est des, des trucs, tu, tu, tu l'oublies, en fait. Tu, tu te concentres que sur ce que tu sais faire. Tu sais que la journée est bonne, tu sais que ça marche. Tu sais que c'est des faces sud qui s'enchaînent. Donc, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Et tu oublies le fait que si jamais tu poses, tu n'es pas mort, mais tu es vraiment dans la merde. D Et ça, c'est mental. Euh, ouais. On peut dire, voilà, au niveau du mental, ça veut dire, voilà, tu, tes, tes objectifs sont hyper posés, en fait. Euh, justement, pour ne pas qu'il y ait trop de... De, de, de trucs qui viennent polluer tout ça c'est il y a un beau chemin qui est tracé sur lequel vous avez confiance parce que vous l'avez mis en place et c'est comme ça que ça marche et ça évite de peut-être de trop douter ou de, de s'éparpiller dans ce que tu as à faire je sais pas ouais. alors ouais euh, ça va, ça va peut-être paraître bizarre à certains mais moi je doute ouais. tout le temps un, alors j'ai un gros mental dans le sens euh, résistance à la peur ça, ça ouais. alors je sais pas si ça, ça sonne dans mon oreille je sais pas si vous l'entendez je sais pas ce que c'est pas grave donc résistance à la peur j'ai pas de problème avec ça je, je sais me remobiliser assez vite même quand je me suis j'ai peur il hein, a pas mais je sais ouais. l'exprimer et je sais le, le gérer par contre je me pose tout le temps que ce soit en compète ou dans des vols engagés des questions surtout est-ce que ça va marcher là-bas est-ce que je vais perdre du temps en compète euh, du coup ça me bride énormément et en compète j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à, à arriver à oublier ça à, ou à passer au-dessus de ça et euh, et Antoine, pour ça, m'a beaucoup aidé parce que lui, par contre, il ne se, se pose pas de questions. Quand il fait un truc, il y croit vraiment, il sait que ça va marcher. Et quand on le regarde, parce qu'il fait quand même des trucs assez, assez barjots, on se dit, ouais. c'est. On... Il y va un mode Arakiri, ça passe ou ça casse. Un, et en fait, c'est un, un trompe la mort. C'est pas du tout un trompe la mort. Ouais. Alors, dans sa tête, ça est pas, il l'est pas du tout. Ouais. Il est sûr que ça va marcher. Ouais. Et jusqu'à bah. présent, ça a toujours marché. Peut-être qu'un jour, ça, il y aura vraiment malheur et ça ne marchera pas. Je ne le souhaite pas. Mais je, je vous garantis que pour ça, il est vraiment très très fort. Et quand il choisit quelque chose, il, il, est, il, est, cert, il est sûr de lui en fait. Et je crois que c'est avec Honoréen, hein, peut-être, mais en, en mode moins engagé pour sa survie. Mais Ouais. Pour, euh, pour la prospection des thermiques et quand il mène une, une compète avec 100 pilotes qui le suivent, lui il est sûr que ça marche aussi, du coup euh, il, il, il agrègue tout le monde. Ces deux mecs là, je pense que c'est les mecs les plus sûrs d'eux que j'ai jamais vu en l'air. On a on a quelques questions pardon Jérôme je vais juste avant que tu reprennes c'était sur sur ça Olivier qui te demande c'est quoi le ratio peur plaisir et Marc qui demandait alors est-ce que tu as peur ou pas du tout tu as répondu à la question mais c'était quoi le ratio entre la peur et le plaisir et j'en profite pour te poser l'autre question c'est quoi les motivations pour aller dans ces vols est-ce que c'est te dépasser est-ce que c'est simplement suivre Antoine <laughs> Alors le ratio peur plaisir, euh, ça, en fait, avant le parapente, je, moi je faisais de la montagne euh, de et de euh, l'alpinisme et j'étais pas un mec très technique, euh, genre j'étais pas un bon grimpeur. Mais par contre, euh, que ce soit en falaise ou en montagne, j'avais le même niveau parce que j'avais euh, un mental justement, ma résistance à la peur qui était la même et ça me dérangeait pas de grimper 400 mètres au-dessus d'un point pourri en dessous. Et c'est ça qui a fait que j'étais pas trop mauvais en montagne. J'étais vite limité parce que je n'aimais pas m'entraîner techniquement. Et quand je me suis mis au parapente, en fait, ça, ça a été pareil. Donc, à ce sujet-là, j'avais un petit bémol à dire sur ce que tu disais, euh, Jérôme, tout à l'heure, sur oui, le mental. Ça se travaille. On est, on est d'accord. Tout le monde peut le travailler. Par contre, il y a des gens qui naissent peut-être avec plus de facultés que d'autres à ce niveau-là. Moi, j'ai jamais travaillé ça, et je, on va dire que je suis un peu né avec. C'est oui. ce qui m'a fait progresser en montagne et surtout en parapente. J'espère que ça ne me portera pas préjudice un jour. Cet excès de confiance, parfois. Mais euh, j'ai des amis, par exemple, qui sont des très très bons pilotes, très techniciens, mais une fois qu'ils se font, se font peur en l'air, ils vont se poser. Et ça, ils n'arrivent pas à le contrôler. C'est un peu le cerveau reptilien qui répond, tu vois. Et euh, donc ça, c'est une faculté que j'ai, que je n'ai pas travaillée. J'imagine que c'est possible de la travailler. j'ai jamais essayé. Mmh. Parce que... Ou peut-être que tu l'as mis en place sans t'en rendre compte. Parce que c'est la question qui allait suivre. Et, et quand je regarde tes vidéos, quand tu parles en l'air, c'est excellent parce que c'est ce qu'on appelle le dialogue interne. Quand tu dis allez Damien là c'est bon je me remotive et tout ça c'est ça de l'entraînement mental donc euh, alors, là, ouais. ma, ma question elle allait venir sur justement quand tu as des moments de peur euh, ou et et tu dis je gère mais la question c'est comment tu comment tu fais toi euh, alors <laughs> juste pour répondre à la, à la question de oui. tout à l'heure euh, j'y vais ouais c'est pour c'est pour découvrir des coins euh, super pour faire des trucs qui ont pas été fait, pourquoi pas, mais avant tout pour euh, m'émerveiller et me surpasser, ouais, c'était pas pour suivre Antoine, le truc. Euh, ensuite, euh, comment je fais Ouais, moi, j'ai découvert par hasard que je parlais, donc je me suis plus ou moins euh, parlé tout seul euh, depuis toujours, tu vois, quand je, suis du, quand je bricole, quand je fais n'importe quoi, je commente ce que je, ce que je pense à voix haute, et en vol, je m'en suis rendu compte en, dé, en dérochant les, les ouais. vidéos du Pakistan, est parce qu'on avait, ouais. avait pris un micro pour commenter uniquement, et j'ai vu que je parlais tout le temps, du coup depuis je les gardé et ça me permet ouais de d'une part d'extérioriser ma peur et de la et de m'aider à, à me recanaliser un peu toutes mes mmh. toutes mes émotions et à, à me remotiver mais ça me permet aussi de formaliser des trucs que je pense parce que des fois quand tu penses un truc genre je sais pas moi en thermique en compète tu dis allez ce thermique là je le quitte pas je le garde mmh. même si le groupe part je reste dedans deux tours de plus et quand le groupe part eh bien, tu les suis pareil alors mmh. que quand tu le dis à voix haute le fait de l'entendre, enfin moi en tout cas, je l'enregistre. Ça, ça, je ça ou ça cristallise mieux le. Voilà, c'est une sorte euh, de pacte ouais. et je dis non, j'ai dit que je ne partais okay. pas, je ne pars pas. Ou l'inverse. Tu as, as un contrat avec toi-même. Ouais, disons que j'arrive un peu plus à tenir mes ouais. pensées comme ça que si, si je ne l'exprime pas. Ah, donc, ça, c'est ouais, vraiment des, des, des stratégies que tu mets en place. Euh... C'est excellent et, et, le fait, et je trouve le fait d'avoir des, des images maintenant et tout, c'est pour ça que j'aime bien tes vidéos parce que tu parles justement et ça, et, ça, et ça permet de regarder puis surtout de voir comment tu, tu mets en place tes trucs, c'est vraiment excellent. On ne sait pas que de la technique, il y a beaucoup de vidéos où tu, où tu vois la même chose, mais là d'avoir toi, d'exprimer des choses, moi je trouve ça vraiment euh, excellent. Eh bien, ouais, merci. Euh, alors, c'est venu euh, plus ou moins tout seul, mais du coup, je le, tra enfin, je le travaille. Je le travail, euh, rien qu'en regardant mes vidéos, ça me permet des fois de tu débriefer tôt, euh, tôt, ouais, ouais. et de débriefer mes vols comme ça. Ouais. On, a, on a plein de gens qui, qui te disent bravo aussi pour tes tutos, qui te suivent sur les tutos. Ouais, oui. Est-ce qu'il y, est qu y a des tutos qui sont en boîte, qui sont en préparation ouais. ou, euh, Est-ce ben, que tu as prévu de faire des choses Il euh, y a plein de sujets, ouais. mais, euh, mais pas beaucoup de temps. Parce que ouais. malheureusement, pendant le confinement, j'ai quand même travaillé. J'étais en télétravail, plus euh, deux petites filles à la maison. Et, euh, et j'en ai aussi faire... Le, le montage, c'est faire... long. Ouais. Ouais, le montage, le montage c'est long. Il ouais. n'y a pas que le montage. Il y a recherché dans mes archives vidéo les, les situations qui correspondent, euh, faire un script mais, ou un scénario. Enfin, ouais. ça, prend, ça me prend une semaine à chaque fois. Quoi. Ouais. Et euh, voilà, donc j'ai des priorités autres aussi. J'ai pas mal de trucs à faire, à bricoler dans la maison. Donc, euh, je ne sais pas si je vais en faire un autre. D'accord. Ouais, c'est pas 100%, pas 100 parapente tout le temps non plus, quoi. Il y a la vie alors, à côté, alors, quoi. <laughs> alors, moi, ça ne me fait pas vie pour le parapente, loin de là. Il y a une question de Mathieu qui dit, est-ce que si tu avais le choix entre battre euh, Kriegel à une X-Alp ou être recordman <laughs> du monde de distance, euh, qu'est-ce que tu ferais <laughs> ah, Je choisirais la X-Alp sans hésiter. <laughs> c'est prévu pour, pour, pour cette année, non, du coup C'est prévu, euh, disons que ce qui était prévu déjà, c'était la x pire Et euh, oui, donc ça, c'était annulé, d'annuler définitivement là. Donc la traversée euh, comptais... des Pyrénées, ouais, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas. Et je comptais un peu dessus pour euh, pour fignoler mon CV pour la x Alpes. Donc euh, on verra. Je vais faire le dossier, je pense, parce que je suis motivé. Mais euh, c'est pas sûr que je sois pris en France. C'est compliqué d'être hein, d'être pris Ils en prennent maximum 4 par nation et et en parapente. Il y a, en France, y a tout monde en France, pour hein. pour Ouais. Donc ça dépend. En gros, ça va dépendre de si les anciens se repostulent ouais. ou non, ouais. notamment Antoine et Gaspard. D'accord. Bon, et un petit, un petit dernier conseil pour euh, le déconfinement, j'allais dire. Euh, bah, tu en donnes plein dans les tutos, mais euh, s'il y avait, s'il y avait en une phrase, euh, dire quelque chose, qu un petit conseil à tous ceux qui nous suivent là, euh, d'y retourner doucement, de se préparer mentalement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur dirais Ouais, oui, re retourner doucement, ça tout le monde le prône et c'est une bonne chose. <laughs> euh, qu'est-ce que dire de plus Ouais, déjà, et ne pas y retourner, coûte que coûte. C'est-à-dire que choisir sa journée, ça compte aussi plus que. Plus que se dire j'y vais tranquille, quoi. Parce que même si oui. on se dit qu'on y va tranquille, une fois qu'on y on est, on y pourri, est. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est pas parce qu'on a le droit de voler le 11 mai que, surtout qu'en plus, en France, la météo n'est pas annoncée démente. Si c'est trois ou quatre jours plus tard, c'est pas grave, quoi. Ouais. Choisissez la journée, tout à fait, ouais. C'est ça. Bon, Donc, génial. Bon, Merci, Damien. La avec plaisir. Merci de ton intervention, ouais. C'était régalade et tu vois, personne parle. Là, on a regardé les images, on t'a écouté. C'est c'est euh, chouette. Pour et il y a, y a de, des projets pour, pour d'autres balades dans le monde quelque part Alors euh, peut-être, mais, mais alors c'est totalement différent du parapente. C'est plus du bateau. Hein, et ah oui. pas, rien à voir. <laughs> rien à voir. Ok. Euh, ouais, c'est plus un projet de voyage au long cours. Peut-être après l'Aïs-Alpes on verra. D'accord. C'est pas encore, pas encore sûr. Donc pour l'instant, pas d'XP de, pas de, euh, prévu. Peine alpes c'est déjà une sacrée XP, hein, mais, bah, mais ah, oui, hein. et c'est la seule quoi. Mmh. Bon, super. Merci voilà. d'avoir été avec nous, en tout cas, dans ce, oui. dans ce Wingmaster merci, Damien, Live. C'est très ouais. sympa. Merci euh, d'avoir répondu aux questions des parapentites et celles de Jérôme. Bon, ah, euh, oui, bon, bon Bonne fin de confinement. Euh, bon déconfinement. Ouais, merci. <laughs> et à, à bientôt. Régale-toi. Salut, ouais. Merci beaucoup. Euh, voilà, c'était Damien Lacaz en direct euh, de la maison. Merci euh, de nous avoir euh, euh, rejoints. Et puis, euh, on va continuer cette soirée avec euh, Jérôme. Hein. Je vous rappelle euh, qu'on parle du mental, de la progression, euh, de se mettre en confiance. Donc, il euh, y a plein de questions autour de tout ça. Euh, et ben voilà, on continue euh, la soirée. Je vais juste vous rappeler nos partenaires pour euh, ce soir. Le temps que techniquement je m'y retrouve, car je n'ai toujours pas d'assistant et toujours pas arrivé. Euh, Rocksoutdoor.com, n'hésitez pas à aller sur le site de René avec ses promos en ce moment euh, sur tous ses objets. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis euh, d'ici la fin de ce live, une petite question sur euh, les ailes du volcan aux Açores qui vous offre un bon de réduction de 30% pour aller voler. Regardez-vous, oh, image magnifique. Ça donne vraiment envie. Je sais que Jérôme va s'inscrire pour pour y aller dès que dès qu'il sera sorti de sa cabane, dès que c'est possible. On va te libérer, tu crois à un moment, Jérôme ou euh... peut-être Peut-être, ouais. Je pas. Il faudra que j'aille travailler un peu. Mais t'es bien avec ton petit poulet euh, ouais. derrière, avec le chouka eu là. Ouais, ouais, super. Je viens est un vautour, hein, Ah c'est un vautour, mais j'ai un appel d'une certaine Brigitte B qui euh, travaille à la SPA ah. et qui m'a dit qu'il ne faut pas les <laughs> mettre comme ça autour du cou parce oui, pas, j hésité, Ils j pas j respirer. J'ai hésité, j'avais Par la patte. De toute façon, je pense qu'on allait m'appeler. <laughs> Ils peuvent pas bien respirer, paraît-il. Donc euh, on, était, euh, on était dans le mental euh, Jérôme euh, et dans la, dans la confiance. Il y a des petites vidéos à suivre. Euh, avant, je vais te poser une question de Bertrand qui te pose une question qui dit je lis ce matin un passage sur la tenue de voile en air turbulent qui dit ah ouais. compenser la perte d'effort à la commande opposée à la demi-elle qui se dégonfle. Tu vas nous refaire le, le schéma. Hein. Euh, il n'a pas beaucoup d'expérience en vol turbulent. Il pensait qu'il fallait mettre la main, euh, qu'il fallait mettre du frein du côté qui perd la tension commande lors d'un passage turbulent. Refais-nous l'explication. Le, le, Je ne sais pas si tu as, tu as, Alors, tu as tout ouais. capté. Ouais. En fait, c'est un petit peu les deux, mais pour remettre dans l'ordre chronologique, c'est quand on vole en aérologie turbulente, on vole avec de la tension dans les commandes. Cette tension permet de s'apercevoir qu'elle disparaît, c'est un peu ça le truc. Et donc quand la voile va fermer, la tension que vous avez côté de la voile qui va fermer, il euh, n'y a plus de tension du tout. Donc il va falloir, du côté où ça ferme, descendre la commande rapidement sur tout le débattement, et la remontée en gardant de l'attention tension. Voilà. Donc ça, ça empêche la fermeture. Mais cette histoire de compensation de l'autre côté, ça peut être un geste d'anticipation. Pourquoi Parce que si la voile ferme quand même, elle aurait tendance à partir côté fermé, donc il faudrait, pour reprendre son cap, contrer à la commande et à la sellette du, du côté opposé. Donc ça, ça peut être une manière de... C'est pour ça, que ça il a, ce pilote appelle ça compenser, d'anticiper un peu. Donc, cette, cette action qui a lieu, le, le rattrapage de l'attention, c'est une action qui a lieu au moment où ça se passe. Hein, ça, c'est dans le moment, euh, c'est dans l'action. Et, et la commande opposée pour compenser, ça serait un moment pour anticiper. Alors, attention quand même à pas trop compenser, puisqu'il faut laisser un peu la, voie, la voile vivre quand même, même si elle ferme. Pour, pour pas que justement il y ait déjà trop de compensation, trop de freins à l'opposer quoi. Voilà. Mais ça, ça doit vouloir dire ça. Ouais. On a une question de Mickaël qui dit j'ai un gros souci d'orientation une fois en l'air. Quels sont tes conseils pour voler plus sereinement Alors est-ce qu'il est en plaine, est-ce qu'il est en montagne, c'est la question. Il y a peut-être une différence entre les deux, mais. Ouais. Euh, alors voilà, je ne sais pas s'il est en plaine ou en montagne. C'est vrai qu'en montagne, alors après, faut voir ce que, euh, il faudrait lui poser la question qu'est-ce que ça veut dire pour lui, euh, perdre ses repères, ne pas se situer, etc. etc. je ne sais pas. Donc il faudrait que lui euh, évoque un peu un moment où, euh, où, il, est, où il est perdu, en fait, hein, parce que peut-être qu'il est loin, il n'a il a, il a plus de repères. Alors c'est sûr que quand on vole en montagne, par exemple, euh, dans les régions de montagne, on a souvent des axes de montagne, des crêtes orientées est-ouest euh, ou nord-sud, on a des axes de vallée, etc. Donc c'est peut-être plus facile de s'orienter mais c'est vrai que quand si les reliefs sont petits et qu'on monte très haut au dessus de ces reliefs c'est un peu plus compliqué et peut-être un peu plus compliqué en pleine si on est très haut c'est à dire que d'un coup on voit plutôt une grande étendue euh, tout autour de nous et si on n'a pas pris des repères si on connaît pas l'endroit ça peut être compliqué donc là euh, sur euh, je sais pas un outil là je, je dirais tout de suite euh, euh, alors, en, en outil technique, on dirait euh, peut-être voler avec un, une tablette et une cartographie dessus pour pouvoir te situer euh, vraiment à l'endroit où tu es, c'est-à-dire voir la carte, les noms des villages, etc. Et au niveau mental, ça serait euh, euh, peut-être euh, euh, comment tu sais que tu, tu commences à perdre tes repères et qu'est-ce qu que ça crée pour toi et, et aussi comment tu sais quand tu perds pas tes repères, en fait, pour voir quel est le déclencheur de cette perte de repère Est-ce que c'est la hauteur Est-ce que cette perte de repère se situer n'est pas... Ça ne cache pas quelque chose d'autre C'est possible, des croyances ou voilà. Et c'est ça, c'est en discutant avec toi, en te questionnant qu'on pourrait euh, peut-être aller euh, voir qu'est-ce que ça représente pour toi cette euh, perte de repère et comment ça te gêne en fait. Et si tu n'as pas euh, un avantage à être perdu Hein, c'est euh, un petit truc comme ça au passage. Des fois, on peut avoir des, des un bénéfice euh, involontaire ou secondaire de, de, de qu'il se passe quelque chose en fait. Ouais. Puis c'est aller que... trop loin, par exemple. C'est ça, c'est la peur qui te, tu veux dire, qui, qui, qui envoie des petites informations, quelque chose. Euh... Euh, non, ça peut être par exemple si, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que va enclencher pour ce pilote le fait d'être perdu, de ne plus arriver à se situer, peut-être qu'il va remettre en cause le fait de partir en cross. Je sais pas. Et donc euh, rester peut-être en local. C des, ce sont des hypothèses que je fais. Je ne sais pas du tout. Hein, je, euh, il faudrait vérifier tout ça. Euh, ça peut être oui. Le, le, le fait que ça cache euh, peut-être autre chose. Euh, Qu'est-ce que je vais faire après euh, Que le fait qu'il n'y ait pas d'objectif. Euh, euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, une perte de repère, euh, peut-être physiologique On avait parlé de un moment de d'avoir envie de vomir ou la perte d'équilibre. Là, c'était ça pouvait être physiologique. Perte des repères. Voilà, il faudrait questionner pour qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est pour lui ne plus savoir où il est en fait, ne plus savoir s'orienter en fait. Et c'est là que c'est un accompagnement personnel après euh, sur euh, trava un travail parce que c'est peut-être une croyance, ce qu'on appelle une croyance limitante, c'est ça, ce que tu veux exact dire. Exactement. Et, exactement ouais, mais ouais. donc ça demande à travailler en tête-à-tête tête après. Euh. Mais déjà, là, s'il se pose ces questions, qu'est-ce que c'est pour lui Qu'est-ce qu'il aurait besoin Est-ce que c'est juste peut-être une carte en couleur et avoir un pointage en lui disant, ben bah voilà, t'es ici, peut-être que ça, peut-être préparer son vol aussi Peut-être que c'est sûr, s'il monte dans un thermique en pleine et qu'il part tout droit dans la pleine vent arrière, euh, c'est sûr qu'au bout de 20 minutes, euh, euh, on, on peut être perdu. Quoi. Ça, c'est plus savoir quelle route suivre. D'un coup, il y a plein de routes. Ça dépend de la hauteur aussi. Hein, voilà. Il arrive. Pardon, Jérôme. Ariane euh, dit :« J'ai souvent l'impression qu'il me faut une petite demi-heure de vol pour me sentir mieux et accepter les mouvements de l'aile. Je suis curieuse de savoir si c'est parce que je ne vole pas assez ou si c'est pareil pour vous, les pros. Euh, qu'est-ce que tu penses, Ariane Et toi, <laughs> qu'est-ce que tu penses euh, Donc, euh, eh ben, est-ce que ça t'aide ce truc-là ou c'est ça te limite vraiment dans ton vol ou, ou pas du tout euh, Après, moi, sur par exemple sur un, un cross. Euh, sur un vol euh, en biplace ou sur une compétition euh, il ne faudrait pas une demi-heure pour entrer dedans ça, ça pourrait être carrément limitant par rapport à un objectif souhaité euh, parce que si c'est it sil faut une demi-heure pour te mettre dans le vol et que les thermiques sont tout petits ça peut remettre en, en question la suite du vol donc savoir euh, qu'est- ce que tu as besoin pendant cette demi-heure et est-ce que si tu peux pas euh, la décaler hors du vol cette demi-heure c'est cette, euh, cette mise en route, est-ce que tu peux pas la, la fabriquer avant d'être en l'air En visualisant, en observant, euh, voilà. c'est-à-dire peut-être en regardant les autres, on, on va se dire, bah, tiens, j'ai une idée de, du type d'aérologie, donc je peux m'y préparer. Voilà. Donc c'est ça qu'il faudrait voir, te questionner sur euh, cette demi-heure, est-ce que tu, tu peux la décaler, si elle te gêne ou pas quoi. Une question de botanique, est-ce qu'avec le temps, l'oreille interne se travaille, justement, sur la perte de repères, sur les sensations, etc. Oula, bon alors là, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste ORL. Ou, ou non, c'est même pas O.R.L. qui font les spécialistes, c'est euh, d'autres spécialistes sur le ouais, l'oreille interne, etc. La kiné, la kiné de l'oreille interne, je sais pas du tout. Euh, moi, je disais à mes gamins qui étaient malades ou qui avaient le vertige ou etc. Je leur dirais ben, euh, en technique, je leur proposais de de le faire un peu tout le temps, en fait, de se solliciter. Pour s'entraîner, mais pas brutalement, parce que sinon, le, ça marche pas, les, on sait, tout de suite, on arrête, ça peut faire trop peur, mais par petite touche, en fait, de créer un entraînement. Voilà. Mais peut-être qu'il faut voir après un spécialiste, hein, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire par rapport à ce que ça représente, est-ce que c'est important, pas important, est-ce que ça rend malade, est-ce que ça limite carrément la journée de vol voilà c'est oui, vrai que l'entraînement après peut aider mais effectivement il y ouais. a peut-être des pathologies aussi euh, oui. voilà on en parle beaucoup dans les vols euh, en 0G euh, par exemple oui. sur sur euh, mmh. la gestion de tout ça mais euh, plus tu en fais plus euh, moins tu vas être malade on va dire euh, oui. euh, mais effectivement c'est comme euh, faire euh, 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 voilà comme faire 2G euh, faire des 3-6 euh, bien engagés voilà. au début ça te fait tu ressens un truc et puis après tu t'habitues tu, tu, ouais, tu, tu, voilà. ouais. tu, tu te prépares voilà tu te prépares tu te prépares à ça. Euh, Jérôme, tu nous avais préparé une petite vidéo justement pour parler d'engagement de, et pour parler de, 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 de confiance. C'est un petit décollage que, que tu fais dans des conditions assez, assez sportives. Raconte-nous un peu. Voilà, c'était on était monté au Piton des Neiges à La Réunion. On était monté au sommet, mais ça volait pas du tout. Le vent était vraiment mal orienté un peu fort, mais pas trop, mais mal orienté. Puis en descendant, je, j'avais, je me suis dit quand même avec ma voile montagne, je vais bien trouver un endroit pour décoller. Donc ça, c'est là, c'est dans un petit col. Donc heureusement, j'ai eu pas mal de, de gars qui étaient avec nous, qui n'ont pas pu voler eux, mais qui m'ont aidé à placer la voile, la tenir, parce que c'est un peu pourri au niveau du sol, il n'y a pas beaucoup de place. Et j'ai pu me mettre en l'air. Et pourquoi j'ai utilisé cette, euh, cette vidéo pour, pour parler de plusieurs choses C'est-à-dire qu'en descendant déjà, j'avais en tête, j'étais très motivé pour essayer de, de me dire là-bas, peut-être que ça peut le faire. Donc j'avais une motivation assez importante pour... Euh, pour me dire, ben, je vais essayer, euh, en arrivant là-bas, dans le coin, ben, j'ai mis ma voile, etc., le deuxième, euh, un deuxième thème que ça amène, c'est d'être concentré sur ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est important, sur quoi on met le focus, et par exemple là, sur le gonflage, et je connais bien ma voile, c'était une ultralight, donc je la connaissais bien, donc je savais que ce pas des voiles très vives, qui sont légères, qui montent bien, etc., donc mettre vraiment le focus sur le gonflage et de mettre le focus sur le l'attention sur le gonflage permet à un moment de se dire top, là il faut que j'arrête ou là je continue au niveau du gonflage. Donc ça peut servir à ça. Voilà pourquoi j'ai mis ce petit décollage là. Voilà, sur qu'on porte l'attention, la concentration, tout ce qui était sur l'approche mentale. Oui, est-ce que c'est impressionnant? Tu décolles sur quelques tu fais deux pas quoi. Oui, parce qu'il y a pas mal de vent. Il doit y avoir entre à peu près 20 km heure de vent dans la pente. C'était pas trop la force du vent qui allait perturber, c'était plutôt le fait qu'il y, qu y ait pas beaucoup de place en fait. Il faut alors. Avec une voile plus grande, en fait. de taille plus grande, j'aurais même pas eu l'idée de mettre la voile parce qu'il y avait trop de buissons, de broussailles. Et là, faire un gonflage avec un bout d'elle qui s'accroche par terre alors que la voile est en haut, ça, ça, peut, être, ça peut être dangereux. Quoi. Ouais. Bon, et, et là, ce capital confiance, bon, toi, tu es professionnel, tu, tu, quand tu vois ce genre d'endroit, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a de l'appréhension Il y a de la peur y a, euh, Non, de toute façon, j'ai les capacités techniques pour le faire. Comment ça, comment ça fonctionne eh ben, il y a tout ça, en fait. Alors, c'est tout mélangé, en fait. Dans, donc, dans ma chronologie, je dirais, voilà, quand je descends, quand j'arrive à cet endroit-là, je suis motivé déjà. Ça, c'est important. Parce que qu'arriver là-dedans et pas être motivé du tout, ça ne sert à rien de déplier la voile. Parce qu'à un moment, euh, si cette motivation vient pas de vous, mais elle peut venir de l'extérieur, en fait. Il faut faire gaffe à ça. C'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, en fait, qui vient pas. De de vous, en fait, euh, ça, ça, ça peut être limitant. Alors moi, là, j'avais vraiment envie de le faire. Euh, et, je me, et je me dis toujours, après, je parlerai d'un truc, c'est le moment présent. et Donc, quand je descends, je suis motivé. Euh, j'ai déjà une idée de où c'est, en fait, parce que comme j'étais monté plein de fois, je me dis, bah, tiens, ce truc-là, il, il y aurait trois buissons en moins, ça ferait un décollage, voilà, euh, etc. Donc, j'ai déjà une idée. Donc, j'ai déjà... Euh, un visuel de comment pourrait être le décollage s'il y a du vent en fait. Et au fur et à mesure que, que j'arrive dans ce truc là, alors j'ai pas peur, pourquoi j'ai pas peur ben, parce que quand je suis en train de marcher, je suis pas en train de gonfler ma voile, donc j'ai j'ai pas de raison de trop avoir peur à l'avance, je me laisse toujours de la marge en me disant ben là comme je suis en train de marcher, j'ai pas de raison d'avoir peur de décoller puisque je décolle pas. Donc je repousse ce moment de peur en me disant toujours ben je pourrais euh, refuser, il n'y a rien obligatoire ce n'est qu'une démarche personnelle. Il y a ça, et après, quand, quand j'arrive sur place, euh, je, je regarde, en fait, je m'imagine gonfler ma voile, où est-ce que je vais me mettre, donc c'est voilà, de l'imagerie mentale, c'est de la visualisation. Euh, comme je connais la voile, je vais avoir un petit peu une idée de comment elle va monter avec la pente, voilà. Pourquoi Parce que j'ai déjà fait d'autres décollages, avec, pas à cet endroit-là, mais avec cette pente et ce vent-là. Donc, j'ai une banque de... un petit peu comme une banque d'informations dans laquelle je vais piocher, qui va me permettre de visualiser un peu ce que je vais ressentir, ce que je vais voir, etc. Donc, ça, ça m'aide. Et oui, je peux avoir peur, bien sûr. Ça, je là, Parce que je ne sais pas, mais je me, je me le repousse tout le temps. Je me dis, bon, là, je vais mettre la voile, je verrai après si j'y vais ou pas. Tant que j'ai une porte de sortie, ça m'enlève de la peur, en fait. Voilà. Mais la peur est présente parce qu'elle va me permettre aussi d'être attentif, voilà. Et, et c'est pour ça que je voulais vous parler du moment présent. Alors je vous conseille bien sûr, a, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont lu, c'est le bonheur du... Le... Merde. Oui, le bonheur <laughs> du moment présent de, de Ed Cartolé. C'est un petit bouquin de 100 pages et qui permet de, de comprendre de manière très concrète euh, la peur. En fait, on a, on a souvent peur. C'est euh, où on se sent mal à l'aise où on a peur c'est quand euh, ou quand on est frustré ou en colère quand on ressasse le passé en fait là je suis devant mon écran et tout puis je ressasse le passé puis je m'énerve tout seul et je fais marcher la moulinette et c'est parti ça c'est un premier truc et il y a aussi quand ça va pas c'est quand je m'inquiète du futur en fait donc je me dis ou oh là là mais qu'est-ce qui va se passer là-bas après euh, si je vais voler j'ai pas volé depuis longtemps les conditions sont super fortes et je me mets à, à, à pareil je mets la moulinette en marche et ça me fait flipper, quoi, en fait. Et donc il y a une technique, c'est le moment présent, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là tout de suite Je suis devant mon écran, donc j'ai pas besoin de ressasser le passé puisque je suis devant mon écran et j'ai pas non plus besoin de m'occuper de ce qui va se passer dans le futur parce que je ne suis pas devin donc ça ne sert à rien de m'en inquiéter par avance. Donc ce qui, je me force à revenir dans ce que je suis en train de faire ici et maintenant. Et ce que dirait être cartolé c'est qu'ici et maintenant, il n'y a jamais aucun problème. Et quand on, on essaye d'aller là, c'est vrai, il n'y a jamais aucun problème dans le moment présent. Alors après, j'utilise ça par exemple, et euh, eh par exemple là sur ce décollage là, euh, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ce décollage tant que je ne suis pas en train de le faire. Voilà, je vous donne un exemple. Et je n'ai pas besoin non plus de ressasser un mauvais truc qui s'était passé sur un décollage vanté puisque c'est un truc qui est fini en fait. Voilà, donc j'essaye de, de revenir à ce que je suis en train de faire. Alors après, j'utilise ça par exemple en, en biplace avec mon passager. Ça fait une semaine qu'il dort pas. Mon passager, il est terrorisé. Puis là, c'est le jour de voler. Il est taqué. Il n'a pas dormi depuis 48 heures. Il a peur en fait. Et je lui dis, ben là, qu'est-ce que tu es en train de faire On n'est toujours pas en train de décoller. Tu es assis, debout. On est en train de discuter. Ben, reste là-dedans. Et il va me dire, oui, mais à un moment, il va bien falloir que je décolle. Et oui, et c'est là où le truc est super puissant. C'est que quand on est dans le moment présent... À un moment, on va être confronté à un truc qui peut faire peur, mais on va passer dans de l'action. On est motivé, on, a, on se passe dans nos actions, et quand on est dans l'action, on n'a pas peur. Voilà. Et donc ça, j'utilise souvent ça, et, et je trouve que ça marche bien. Donc je vous, je vous invite à, à l'essayer, à, à lire Ed Cartolé, euh, Le bonheur du moment présent. Et je crois qu'il a même fait un bouquin après celui-là, qui montre concrètement. Euh, euh, quotidiennement, comment on utilise ce truc-là. Oui, il y en a pas mal. C'est le pouvoir du moment présent, le, le oui, titre, le nous dit Olivier, effectivement. Et il euh... y, a, y a toute une déclinaison. Et il y a même euh, voilà. sur YouTube des, des, des conférences, des tutos, des, euh, voilà, ouais. des tutos ouais. écartelés. Donc euh, ouais. à regarder, c'est vraiment. Euh, bah ouais, vraiment et, on, ouais. et, le, et le moment présent, en fait, et c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'on a parlé de la, la gestion. Euh par exemple la gestion émotionnelle, euh, il y a aussi euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire, voilà, j'ai peur. Donc, une, une des techniques pour, euh, pour gérer un peu la peur, quand on est en vol, par exemple, c'est d'accepter déjà, de pas mettre ça de côté dans la poche, non, on verra, on s'en occupe pas, parce que le risque de, de mettre tout ça de côté, ça va lui donner de l'importance, ça va se cristalliser, ça va, devenir, ça va vous revenir à la tronche. Euh, fort et le, et le risque aussi c'est que quand vous avez quelque chose comme ça qui est fort qui vous perturbe en fait ça va générer des pensées des mauvaises pensées ça va générer euh, aussi un, un, un état physiologique des crispations des choses comme ça et donc des mauvaises actions donc il faut sortir de ce, de ce cercle ver, euh, vicieux et donc accepter le début de l'émotion la peur par exemple il faut l'accepter ok ben là j'ai peur je me chie dessus c'est bon c'est bon, c'est là. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça entraîne chez moi ou là, je suis tout contracté des épaules en vol. Et ben OK, je vais commencer par me relâcher les épaules. Là, je parle pour moi. Hein. Je ne sais pas comment chaque pilote va réagir. Je, je relâche mes épaules. Je, je suis tout, tout crispé, je suis crispé de la mâchoire. Donc, et bien, je vais détendre ça musculairement. Je vais penser à respirer à, avec le vent. Donc, tout ça, ça, ça prend 20 secondes. Hein. Ça prend pas trois heures, hein ce protocole là ensuite je vais dire je vais changer mon, mes pensées là puisque je reprends la main un peu. comme je me sens bien et eh ben, je vais pouvoir penser autrement donc je vais me dire allez là Jérôme ok ça tu sais faire là on se remotive euh, c'est bon euh, tiens il y a d'autres voilà avec moi qui, elles sont en train de passer là voilà donc je change mon dialogue interne donc au bout du compte j'ai des, des nouvelles actions euh, qui, ont, qui, qui me permettent de, de, de sortir de ce cercle euh, vicieux et je passe dans un autre cercle. Voilà. voilà un protocole qui est possible à mettre en place. Donc il faut qu'il y ait un déclencheur de se rendre compte qu'on qu a peur, l'accepter et rebondir. Il y a aussi un outil que j'aime bien proposer, c'est les trois R, c'est-à-dire euh, <laughs> respirer. Réfléchir et rebondir. Je rigole parce que je me suis dit je, je vais pas m'en rappeler. Quoi. <laughs> il y en a que trois. Quoi. Donc quand il y a un truc qui va pas, on commence par euh, respirer déjà. On respire. Quand on respire, on est plus à même de réfléchir. Et quand on peut réfléchir, on peut placer une, une bonne action en fait. Voilà. Voilà un petit exemple d'outil que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez surtout essayer quoi. Voilà. C'est pas mal, ça rejoint euh, Jérôme ce que tu dis des questions qu'on nous pose euh, sur euh, comment euh, ne plus avoir peur. Euh, notamment là, j'avais une question de Jean-Martin qui dit "Je suis très influençable. Euh, mon pote Vincent, pensant bien faire, me prévient d'un danger. Attention, c'est un peu fort, un peu à gauche, un peu à fallo. Après, je me pose plein de questions et je finis par renoncer à mon vol. Alors j'étais prêt à y aller. Euh, voilà. Donc comment dépasser tout ça L'instant présent, ne plus se poser de questions et juste ouais. vivre ce qui est là, quoi. Par exemple, voilà. Et c'est super compliqué parce que chacun, on voit là. On a deux, trois témoignages où les gens, un message en radio peut aller faire poser quelqu'un. Un message, oulala, là, là, là je me suis fait brasser, là je me suis fait tordre derrière, là. C'est chaud, chaud, chaud. Alors le gars continue son vol, il a juste balancé une émotion comme ça à la radio. Et puis il y a ceux qui sont juste à côté, ils ont fait l'éponge, ils ont tout pris pour eux, alors que ça n'a rien à voir avec eux. Donc ils rentrent, ils rentrent dans un cercle de, oulala, là là, c'est chaud. Euh, qu'est-ce qui va se passer euh, non non c'est chaud et donc on rentre dans un dialogue interne des pensées automatiques qui ne sont pas bonnes donc on se crispe donc les actions ne sont pas bonnes et c'est parti quoi. Voilà. donc il faut un moment ok il m'a dit un truc pas bien qu'est-ce qui se passe pour moi est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai etc et, et de re, remettre en cause hein, remettre en questionnement ce truc-là en lien avec vous quoi Jérôme, on va euh, flinguer euh, le moral de euh, tous les parapentistes ici présents et euh, ah oui. alors, enfin, <laughs> comment euh, vider, le, bon. vider la bouteille de, de, de confiance en quelques instants, dire euh, voilà euh, comment on va aller poser sur le Mont-Blanc. Non, je rigole, c'était euh, l'été dernier, tu voulais montrer cette oui. vidéo aussi, ouais. Exactement, cette, cette, euh, l'année dernière, en fait, il y a eu des conditions exceptionnelles, de toute façon à chaque fois qu'il y a les canicules, c'est-à-dire très peu de vent, beaucoup de chaleur pendant trois jours, et donc des... des des plafonds en fait des thermiques qui dépassent les 5000 mètres dans les Alpes et là j'ai voulu montrer cette vidéo Elle était, ça, ça a été un peu polémique ce moment là hein. mais pourquoi j'ai voulu montrer cette vidéo c'est pas du tout pour relancer la polémique c'est pour moi il euh, y, y a différents trucs dans cette vidéo il y a déjà le, le fait voilà regardez le monde qu'il y a donc dans tous ces, tous ces pilotes, là peut-être qu'il y en a qui, qui nous écoutent qui étaient, il y en, il y en a une grosse partie qui, 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 qui ont été là-bas, qui ont préparé leur vol depuis longtemps, qui attendaient la canicule, et qui réalisent un vol de malade, quoi, un, un vol qui réalise. Euh, qui il, il réalise un rêve en fait. Donc ça c'est hyper important. Ça met beaucoup de motivation. De... On y croit en plus qu'il y a du monde. Donc il y, a, il y a de la dynamique et tout. Le fait qu'on voit beaucoup de monde en l'air aussi. Il y en, a, il y en a certains qui sont arrivés peut-être qu'ils n'avaient pas euh, prévu de, de poser au décollage. Mais il y a peut-être eu un effet de groupe là-dedans quoi. Voilà. Et donc, peut-être avec l'euphorie, on... aussi l'euphorie, hein, l'altitude, la fatigue, euh, l'adrénaline. Oui, parce qu'il y a des euh, mecs composés, euh, composés en basket, euh, composés sans matos, etc. Alors, hein, en fait, la, la plupart. Est... Alors, je ne vais pas juger, hein, moi, moi, je trouve c'est comme ça, donc il y en a qui étaient équipés d'autres pas équipés, il y en a... mais je pense que la plupart avaient bien préparé ça, parce que les, de, de, je crois que les premières canicules c'était en 2013 ou 2009 je crois, les premiers posés, maintenant il y a, il y a quand même, il y a une grosse... Euh, il y a eu une grosse publicité, on va dire, là-dessus ça a beaucoup parlé, c'était incroyable. Maintenant avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a des banques d'informations, il y a même des tutos, euh, comment monter au Mont Blanc en partant du Brévent euh, qui, qui ont été extrêmement vus, ceux de Stéphane Boulanger, qui sont extraordinaires et qui font rêver. Moi, je regarde ça, ça me fait triper, j'ai la chair de poule. Et, et je m'imagine d'autres pilotes qui, qui se disent, ouais, ben la prochaine canicule, si j'ai des vacances, je suis en forme et tout, ben oui, il faut, il faut que je tente ce truc-là. Et, et donc ça, je trouve ça très bien, parce qu'il y a de la... De la préparation, des objectifs, etc. Et en plus, le, si vous regardez le tuto de Stéphane Boulanger, son tuto est bien fait parce qu'il y a plein d'objectifs intermédiaires. Le but, c'est pas je vais poser au Mont Blanc, c'est avant, avant je décolle, après je vais là, je vais là, il faut telle altitude faire ça. Donc, ce sont des objectifs intermédiaires. Et le résultat finit par là-haut. Le truc, c'est qu'il y a un truc que peut-être une partie n'a pas. Euh, S'est fait un peu avoir, c'est que là-haut, rentrer dans, dans cette euphorie, en fait, dans, dans, dans une, une émotion très forte de joie avec le monde et tout, un truc de malade. Et ils ont fait un truc qu'ils n'avaient peut-être pas prévu, c'est d'aller poser là-haut. Et donc, ils se sont retrouvés dans une situation qui n'était peut-être pas prévisible, c'était se retrouver à 5000 mètres, un petit peu moins, à 5000, avec une chaleur, quoi, avec des températures qui étaient au-delà au de 0 degrés pas de vent. Et donc là, on rentre dans un dans le trio, euh, le trio compliqué en haute montagne, c'est de pouvoir décoller avec de la chaleur, de la neige, pas de vent, fatigue, euphorie. Voilà, on cumule tout là. Voilà. Et, et c'est ça qui a créé polémique derrière, en disant ouais, mais il y en a qu'est-ce qu'ils foutaient là, etc. Et le but, ce n'est pas de juger, c'est d'essayer de comprendre comment on peut arriver dans cette situation, un genre d'euphorie, un tunnel, on ne fait plus gaffe en fait, on va là bas, tout le monde y va. Euh, voilà. Donc je voulais parler de ça parce que ça touche pas mal le, pas, pas mal le, la manière dont on, peut, on va gérer ses émotions. On peut être en, en euphorie, en surconfiance, il ne peut rien nous arriver, on a réussi déjà à aller à 5005 Donc poser au Mont Blanc avec le monde qui a, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas repartir. Et il y a des pilotes qui, qui sont restés dans leurs objectifs, qui avaient dit je ne reposerai pas là-haut parce que pour moi, il y a un risque, de, justement, le risque de ne pas pouvoir redécoller, le risque d'avoir le mal des montagnes, d'arrêter là-haut pendant une demi-heure parce qu'après, il faut du temps pour redécoller, remettre la voile et tout. À 5000, on prend cher hein, en montant directement, on peut avoir mal à la tête, etc. Voilà, euh, voilà je voulais partager ça avec vous. Quoi. Merci Jérôme. Euh, et puis euh, dans les vidéos également, il y a euh, souvenirs euh, pour, euh, pour certains, enfin pour tout le monde d'ailleurs. Hein. On a tous commencé par, par faire euh, ah, un, oui. un grand vol, hein, c'est ça Ça rappelle et plein ben de voilà, choses. C'est pour ça, je voulais, je voulais, on voulait mettre des vidéos variées. Puis là, je, je, on met une minute de, du premier grand vol de, de quelques pilotes en stage, encadrés. Et donc c'est intéressant de voir ça parce que souvent on oublie, son, pourquoi on oublie, on n'oublie pas son premier grand vol, mais il y a des situations où on oublie que les autres, quand on est avec les autres, quand on leur met la pression, etc., des fois on oublie que, voilà, juste des images de premier grand vol, donc des gens qui rêvent de ça, qui, sont, qui ont peur et en même temps qui ont envie, voilà, c'est ce mélange de peur, d'envie, de joie, voilà, tout est mélangé là. Pour ça, je voulais vous passer quelques images. Alors, bien sûr, les gestuels, ben, c'est les gestuels des, des premiers vols qui sont pas sûrs. Pas parce que la technique est pas bonne, mais peut-être qu'il y, y a beaucoup d'émotions avec, qu'il y a de la peur, etc. Voilà. Donc, c'était bien de... Je voulais aussi partager ça avec vous, ce... pour, pour vous remettre dans ces situations-là. Et, et aussi, euh, voilà, j'utilise cette vidéo-là, celle-là, et les images d'avant euh, euh, du Mont Blanc, ceux qui ont volé, ça peut permettre de faire ce qu'on appelle un ancrage, en fait, parce que ceux qui se rappellent, c'est qu'on utilise, euh, qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que les pilotes qui ont vécu ça, en fait, euh, euh, ont, ont ancré en fait des émotions énormes, en fait, de, de, de joie, d'euphorie, de, de, de confiance, de d'être super motivé, d'être combatif, je ne sais pas en fait les, les, les émotions que ça peut amener au moins les ressources. Et ça fait un gros bagage émotionnel qu'on peut utiliser a posteriori pour euh, se remettre dans la même situation euh, émotionnelle en fait. Mais c'est-à-dire que se retrouver sur un autre déco euh, à la dune du Pila ou sur un autre déco, un petit déco en montagne, et euh, de se dire, mais comment je pourrais me remettre dans cette, euh, cette émotion de joie et tout que j'ai eue au Mont Blanc il y a trois ans ou il y a deux ans, mais sans, re, sans refaire le vol du Mont Blanc pour remettre dans cette situation et bien Ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage, donc on va revivre les yeux fermés ce moment où on était où, les, où on est monté au mont blanc où ça peut être une autre situation et quand on sent l'émotion monter en fait on va l'ancrer en faisant un, un, un geste par exemple en croisant ses doigts ça peut être en voyant une image défiler en pensant à une musique et le but de s'entraîner à faire ça Va permettre ensuite, vous, vous retrouvez à n'importe quel endroit d'un décollage ou même de votre vie quotidienne, vous faites votre déclencheur. Je vais très vite hein, dans le protocole. Vous faites votre déclencheur et votre corps retrouve le, toutes les émotions qu'il avait, euh, qu'il avait sur ce moment-là que vous avez choisi. C'était le vol du Mont Blanc, par exemple. Ça s'appelle un ancrage de ressources qu'on peut utiliser. C'est un outil qu'on utilise en préparation mentale aussi. Voilà, je voulais, ça me permettait de parler de ça. Merci Jérôme. Euh, on a une petite série de questions là que je vais te poser. Euh, est-ce alors Pascal qui nous demande sur le live sur YouTube, est-ce qu'un pilotage au C et accélérateur peut atténuer les fermetures dans les turbulences Donc là, une question de, de, de mise en confiance voilà, dès que ça bouge, quoi. Voilà. <laughs> euh, oui, tout à fait. Euh, donc, c'est une question un peu technique, euh, tu peux la redire, Seb Oui, c'est est-ce Est-ce qu'il est, qu est en aérologie turbulente il... C'est ça, il dit pilotage OC et accélérateur, est-ce que ça peut atténuer les fermetures Besoin de... euh, Non, de... non, c'est-à-dire, ce qu'on en a déjà parlé, on évite de cumuler les deux, en fait. Voilà, donc on est. Ah oui, non, non, euh, je, dis, je dis une connerie, là. C'est-à-dire, oui, quand on voit l'accélérateur en aérologie turbulente, oui, c'est bien de piloter OC le but, c'est justement euh, aussi d'éviter les fermetures d'éviter les fermetures, mais on commence avant d'éviter les fermetures par bloquer les mouvements de tangage qui sont importants, les abattre, les... etc. Et si la voile ferme, on repasse sur un pilotage au frein. Quoi. Voilà. Parce que ça veut dire que l'accélérateur, là, est de trop, si ça ferme, c'est ça C'est trop turbulent euh... quoi. Oui, mais alors le truc c'est voilà comment utiliser l'accélérateur en aérologie turbulente en ligne droite, le pilotage OC permet d'amener la touche euh, performance, optimisation performance. Voilà, ça sert à ça en fait. Voilà. Après, tu peux très bien voler au C sans avoir l'accélérateur, c'est-à-dire relâcher l'accélérateur si c'est turbulent, ça marche aussi, quoi. Voilà. Alors, on a une question de Vincent, mais c'est un vrai Vincent. Il dit qu'il s'appelle oui. Vincent et il dit Sniff. Euh, j'ai eu plusieurs... Ouais, il me... prend, ch ouais, cher il prend cher, le, le, le Vincent, là. Euh, j'ai eu plusieurs mésaventures qui font que j'ai développé une certaine dose de peur quand je vole. À trop vouloir suivre les oiseaux, j'ai gratté de trop près une falaise. Mon boudel a touché un arbre et ça m'a valu un quart de tour face à la falaise et crache dans les arbres. Heureusement, rien de grave. Depuis, je garde toujours 50 mètres de distance avec le relief, mais ça m'handicape dans certaines montées dynamiques par rapport à d'autres pilotes. Ça c'est sa première eh oui. euh, réflexion. Et, donc, euh, Et, Et bien sûr que c'est très compliqué. C'est-à-dire suite à un incident ou un accident, que... comment, je... comment je vole en fait Est-ce que je suis Est-ce que ça a eu des conséquences au fait que j'ai du mal à voler ou, ou après cet incident-là, il a mis en place une manière de voler, puis il est en train de se rendre compte que voler à 50 mètres du relief, il y a des ou voler à 50 mètres du relief, eh ben on peut ne pas monter, on peut ne pas pouvoir cheminer, rater les ascendances, etc. Donc, ça, devient, ça peut devenir... Lui, ça a l'air de devenir compliqué maintenant. Donc. Mais comme il a peur de se rapprocher du relief, quelle solution Et eh ben voir, euh, pareil, c'est questionnant avec lui, qu'est-ce qui l'inquiète de voler près du relief, en fait euh, Est-ce que... Alors, ça pourrait être des outils qu'on pourrait mettre en place, je ne sais pas. Essayer de, de revisualiser ce qu'il a vécu, euh, pour essayer de le, de le revoir pas du tout de l'évacuer de son cerveau puisque ça sera toujours là toute sa vie cet événement là mais c'est de le revivre en, en essayant de le voir autrement en fait voilà il s'est passé ça mais je, je le vis mieux en fait voilà et, et ensuite euh, dans quelle situation il se retrouve c'est-à-dire peut-être émotionnel ou au niveau de la de la peur au niveau de la confiance, quand il vole le long du relief, qu'est-ce qui se passe pour lui Et quel état il aimerait retrouver, en fait Parce que peut-être que quand il n'est pas loin du relief, il se retrouve bien, donc il faudrait qu'il qu récupère cet état, voir comment il pourrait le mettre en place le long du relief, voir si ça marche, en fait. deuxième euh, Il avait un deuxième truc, il disait qu'il a toujours peur que quelqu'un au-dessus de moi se prenne une fermeture et me tombe dessus, surtout dans les montées en thermique bien fréquentées. Voilà. Ben c'est un peu c'est et des fois je me suis... je me pose la question en bagnole, moi je suis en voiture, je me dis mais là je suis sur une nationale et, et je me dis mais j'imagine un gars qui est en face et qui d'un coup se met sur ma voie en fait. Tu vois, qui vient de face à moi. Voilà, donc je fais le compare. C'est le truc, comment veux tu contrôler ce truc là quoi? C'est pas possible. Donc moi le seul truc que tu peux contrôler toi, c'est de ce que tu fais toi. En fait, tu peux pas contrôler ce que font les autres. Tu ne peux pas contrôler le fait qu'ils prennent la voile sur la gueule, qu'ils te tombent dessus. Tu ne peux pas trop contrôler ça. Donc, il faut essayer dans... Le, dans le, mais ce n'est pas compliqué. Il faut reconnaître que tu ne peux pas le contrôler. Donc, l'accepter, que des gens peuvent te tomber dessus. Et tu fais avec. La question, c'est après, com comment tu vas voler en groupe, en fait. Voilà. Donc il y a une question de ta technique, qu'est-ce que tu regardes, comment tu te places par rapport aux autres, etc. Mais il y a bien il y a des trucs que tu sinon ça, ça, la vie devient compliquée euh, si tu lâches pas sur certains points. Euh, ben après il faut trouver voilà les moyens de pouvoir lâcher. Donc c'est l'acceptation, reconnaître que tu ne peux pas le contrôler. Voilà, je pense à ça, à l'accepter. C'est marrant, je voulais parler de, de l'acceptation dans le justement de la gestion des émotions aussi. On accepte un truc et, et là, en l'occurrence, tu n'as pas trop le contrôle sur les autres pilotes. Hein. Alors soit après tu voles jamais avec tu, tu voles jamais quand il y a du monde, ça peut être une solution, mais si dès qu'il y a du monde, tu as cette peur là, elle va vachement te limiter dans ta pratique, quoi. Oui, c'est un peu les peurs irrationnelles quoi, hein. c'est ça, c'est euh, voilà. Alors elles sont, quand on dit irrationnel, il faut pas, voilà, il faut penser qu'elles sont justes, hein. c'est c'est sa, sa réalité à lui, elles sont oui, justes, elles sont vraies, il faut il faut. Il ne okay. faut pas la remettre en cause, il faut juste savoir qu'est-ce que tu fais avec cette peur. Quoi. Ben, elle est là, ok, elle vient d'où Est-ce que ça est -ce que c'est peut-être lié à une croyance ben, La croyance que qu'un le... mec peut te tomber dessus, euh, oui, mais que... comment tu vas faire évoluer cette croyance Peut-être en te parlant autrement, te plaçant autrement. Et après, je me... si je me rappelle dans le mail, il parle de sa... ce Vincent. Vincent, il parle un petit peu de son bagage. Il a 80 heures de vol ça. en 11 ans. Et, et là, ce que je vois, c'est que ça fait 10 heures de vol par an, ce qui n'est pas énorme. Donc il y a des grosses coupures. Peut-être il y a aussi de, un travail dans la. On a parlé du mental, mais aussi dans la tactique, hein, dans la tactique, c'est-à-dire les connaissances, comment je fais pour voler avec du monde, les règles de priorité. Un hein. petit coucou à un certain euh, Gori, à chaque fois. Euh, Jean-Paul Gory, je crois qu'à chaque fois il me dit ouais, il faudrait peut-être que vous fassiez un, un truc sur les règles de priorité. Et bim, et eh ben on l'a placé. Donc dans le dans le retour au vol, bien sûr les règles de priorité. Donc là ça peut être là aussi. Peut-être qu'il y, y a une méconnaissance sur les règles de priorité pour que ça le rassure. Pourquoi on tourne dans le même sens, euh, même quand il y a des gens au-dessus, etc. Euh, ça, ça, ça peut aider justement aux, aux collisions. Euh, et justement, Jérôme, là, tu parlais de, de peur. Euh, quelque chose qui peut faire peur le speed flying. Tu nous as sélectionné une petite vidéo aussi. Ça, oui. ça va très Alors, vite, c'est très p... près du sol et Alors, ça fonce là. En plus, ouais. Alors, j'ai de la voile. Ouais, bon, écoute, euh, voilà, on lui a pas, on n'a pas les infos, mais euh, écoute, c'est impressionnant en tout cas. Euh, on a encore quelques questions, oui. euh, Margot qui demandait comment doit-on réagir à la vue d'un dust quand on est au sol et quand on est en l'air. Alors, quand, alors, le, le, peut-être se poser la question, est-ce qu'on est, -ce qu est dans, un, dans un endroit où il peut y avoir des dust? Donc c'est souvent, il faut pas qu'il y ait beaucoup de vent. Les dust très peu de vent fin de matinée voilà c'est le contexte assez classique en haut des crêtes euh, on peut avoir c'est en fait un gros déclenchement thermique hein, le, le dust et ça arrive dans, sur des zones dégagées en fait donc il faut déjà être attentif. Si vous, il y a plusieurs pilotes, vous ne connaissez pas du tout le site, c'est une question que vous pouvez poser. Hein. Euh, Est-ce qu'ici il y a des risques de dust? Est-ce que ça arrive? Alors c'est vrai que le, le dust, en fait, il y a des régions, où on disait qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais petit à petit, peut-être en lien avec le réchauffement climatique, on, on, a, euh, on a sur des sites, on a des dust maintenant. Donc quand tu es au sol, en fait, il faut simplement être vigilant si tu es prêt à décoller ou de ne pas être assis suspendu tendu à 6-7 mètres de ta voile parce que si ta voile si le dust prend ta voile ça va, on a, vous pouvez chercher des images sur le net ça monte tout le paquet voile plus pilote en haut, donc si tu es en attente sur un décollage avec des risques de dust ou si tu en as déjà vu ou s'il si y en a eu pendant le créneau pendant lequel tu étais, il faut être à côté de ta voile et tenir ta voile tout simplement il n'y a pas de risque en tenant ta voile. Après, euh, si tu es en l'air et que tu prends un dé juste après le décollage, eh c'est ce que tout le monde euh, souhaite ne pas vivre. Voilà. Alors pareil, tu peux regarder des images de dust après le décollage. C'est super impressionnant, mais il y a absolument euh, pas de recette miracle à part de, de, de se dire :« j'espère que ça va monter assez haut. J'espère que je vais pouvoir garder la voile à peu près dans l'axe. Euh, » Voilà. Il n'y a pas de on peut, on peut, c'est comme ça. Il faut, voilà, un truc sur lequel tu n'as aucun contrôle. Donc, comme tu n'as aucun contrôle dessus, ben, tu l'enlèves. De, il faut euh, reconnaître que tu as aucun contrôle là-dessus, donc l'accepter, donc l'enlever en, ton ta casse peur en fait. Il faut juste être vigilant au moment où tu as le contrôle sur la vigilance que tu peux avoir. C'est-à-dire au décollage, comme je t'ai dit, tu tiens la main, là, tu fais une action, tu tiens ta voile, tu es assise, là, tu prends le contrôle sur quelque chose. Une fois que tu décolles, s'il y a un dos qui passe là, tu ne peux pas avoir le contrôle sur à quel moment va partir le dos. Et comme un, un, tu te lèves un matin, il pleut, ben, tu n'as pas le contrôle dessus. Quoi. Merci Jérôme pour toutes ces infos euh, Je Restez avec nous encore quelques minutes, on a un bon de réduction à vous faire gagner pour les Açores euh, on, va, on va lancer le jeu tout de suite et puis après on fera une petite conclusion de la soirée euh, avec avec Jérôme euh, je vous rappelle que les Ailes du Volcan qui est notre partenaire là pour ce live ce soir, euh, c'est ben, un réceptif euh, qui vous attend aux Açores, toutes les infos sur les lesailesduvolcan.com et Thierry qui gère euh, ce, cette entreprise endroit magnifique, regardez où vous allez pouvoir aller voler. Euh, Thierry, qui est euh, émigré aux Açores depuis 2015, eh bien vous attend sur euh, cette île de Sao Miguel. À Sao Miguel, ça doit être euh, avec 25 sites officiels et variés, je ne sais pas si je fais bien l'accent. Sering en bord de mer, vol de falaise, vol de plaine, et tout ça dans un dépaysement total. La question du jour, mettez-moi ça en commentaire. Quel est le euh, nom et l'altitude du point culminant de l'île de Sao Miguel voilà, quel est le nom et l'altitude du point culminant de l'île de Sao Miguel. Euh, et bah, si vous me mettez ça en commentaire, euh, eh bien, on va tirer au sort parmi les gens qui auront bien répondu au nom et à l'altitude du point culminant de l'île de Sao Miguel. Donc je pense que vous avez les infos sur les, les, les ailes du volcan.com. Et cette personne repartira euh, avec un bon de réduction de 30%, sur un, énorme, 30 de réduction sur un séjour euh, d'une semaine euh, aux Açores dans cet environnement magnifique avec Thierry au guidage euh, pour vous emmener sur tous les sites, parce que c'est assez compliqué d'aller voler là-bas, il faut un guide. Et donc Thierry vous fait le guide sur place. Et donc si vous ne voulez pas jouer, mais si vous avez envie d'aller aux Açores, vous avez toutes les infos sur les ailes du volcan. Et je vous rappelle, donc oui, je vous rappelle la question nom et altitude du point culminant de l'île de Sao Miguel. Allons-y pour les commentaires. Ça y est, ça commence déjà à répondre. On fera un petit tirage au sort par. Entre tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Et puis, je vous rappelle également que rocksoutdoor.com euh, René Allais, euh, qu'on remercie pour le superbe article qu'il a fait sur euh, ses lives de Wingmaster que vous allez pouvoir retrouver sur le site, avec plein d'autres articles, avec des Ça conseils. Ça nous a fait de... rougir. Ça nous a fait rougir. Euh, avec plein d'infos, de, de conseils de Jérôme Cano, entre autres, de plein de parapentistes. Il y a un dossier spécial déconfinement qui est hyper bien fait, euh, qui va s'agrandir se, se, euh, voilà tous les jours. Et il y a des articles nouveaux. Euh, il y a des. Plein d'accessoires à acheter. Vous avez 10% de réduction avec le code Wing 10. Notez-le. Euh, si vous n'avez pas le temps de noter, revenez sur ce live. Vous avez toutes les infos. Code Wing 10 pour tous ces objets qui sont euh, les poignées Easy Grip, le Vario Alti plus de Fair l'accélérateur bullet speedbar, la radio CRT 4CF et P2N. Voilà, tout est dit pour nos partenaires. Merci. Donc allez jouer avec les ailes du volcan et euh, René, qui était encore avec nous ce soir pour rocksoutdoor.com. Allez voir le site. Je vous rappelle que samedi, on aura un live qui sera conséquent. On a prévu de moins 3 heures entre 17h et 20h, peut-être un peu plus. Euh, voilà, on va on va voir en fonction des de, 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 des intervenants. Peut-être aussi des, des petites vidéos à vous passer, mais on va on, on va caler tout ça avec Jérôme. Et puis on attend de savoir si on a le droit d'être déconfiné, hein. Si on peut aller voler, donc euh, dès qu'on a, aura de... voilà. on aura des infos qu'on n'a pas du tout maintenant, donc c'est pareil. Voilà, ça sert à rien de trop se projeter non plus, hein. On est quand on a l'instant présent, c'est comme ça. Euh, je, euh, je peux... Fini, je finis soirée. alors juste le live live oui. samedi. Donc euh, venez nous voir, plein d'infos, plein d'intervenants, la présidente de la FFVL qui interviendra, des gens de la FFVL, des gens des euh, fédérations, euh, des de la fédération pro, euh, des moniteurs, le... des parapentistes, euh, on aura Jean Baptiste Chandelier qui sera avec nous, enfin voilà, plein de gens qui vont euh, euh, intervenir pour vous donner des conseils de déconfinement, pour euh, donner leurs impressions, pour nous donner l'ambiance sur les différents sites de vol. Il y aura plein d'images, il y aura plein de choses. Donc, samedi, euh, il faut que vous soyez avec nous. Vous bloquez l'après-midi, vous ne sortez pas. De toute façon, vous ne sortez pas. Il faut pas. Euh, vous restez avec nous. Et puis, euh, on, se, on se retrouvera pour ce super live. Et puis, je laisse la parole à Jérôme pour conclure cette soirée qui parlait du mental, de la motivation. Euh, Jérôme, quelques mots encore à dire. Oui, euh, ben, déjà pour le, le prochain live, vous avez vu en ce moment, le, la FEDE a mis en place un petit concours vidéo. Et il, y en a, il y a les dix premières vidéos. Qui ont été sélectionnés, vous pouvez regarder, c'est sympa, euh, c'est très varié, il y a tout, donc euh, allez jeter un coup d'œil pour voter. Ensuite, ouais, je voulais revenir pour faire une petite synthèse, pour vous, pour vous proposer quelques outils pour, euh, pour, la, pour le, améliorer la confiance en fait. Donc il y en a plusieurs. Vous connaissez peut-être la méditation, euh, la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est basé sur le fait de se recentrer, d'être dans le moment présent, ici et maintenant. Pour la cohérence cardiaque, vous pouvez avoir euh, des applis. Vous regardez, euh, par exemple, Respire Relax. C'est des petites séquences de cinq minutes où on respire cinq secondes et on souffle cinq secondes. Et ça permet de, de faire une cohérence entre sa respiration et les battements du cœur. Et ce qui fait que ça ça a tendance à apaiser, à vous recentrer, ça a énormément de, de bénéfices. Donc vous pouvez regarder ça, ça ne se fait pas pendant un vol, hein, mais ça se fait avant, après, ça se fait tout le temps. Euh, la méditation, pour ceux qui connaissent euh, la pleine présence, la pleine conscience, c'est aussi euh, un moyen, c'est plus compliqué, plus technique, mais très puissant aussi. Après, il y avait euh, un truc euh, qui permet de... de d'améliorer la confiance en soi, c'est quand vous allez faire un vol, on dit, ouais il faut, il, faut mettre, il faut mettre des objectifs, etc. Attention à ne mettre que des objectifs de résultats. Aujourd'hui, je vais faire 55 km, je vais aller à tel endroit et à tel endroit, parce que quand vous mettez des objectifs de résultats, euh, ça peut être très anxiogène si vous n'arrivez pas à, fait, à réaliser ce, cet objectif-là. Donc, il faut basculer. Donc si c'est très anxiogène, si vous n'y arrivez pas, vous allez vraiment perdre confiance en vous. Donc le but, c'est de basculer sur des objectifs de maîtrise, des objectifs intermédiaires. Par exemple, si, si l'objectif de résultat, c'est de faire 55 km, peut-être qu'il faut commencer par un premier objectif, de faire la première montée en thermique, de faire le premier déplacement de 5 km, etc. Et vous vous donnez des objectifs intermédiaires que vous réussissez. Et, ces, et le fait de réussir ces objectifs intermédiaires vont vraiment gonfler votre confiance en vous. Donc pensez à ça, la manière dont vous fixez vos objectifs. Pensez aux objectifs que vous maîtrisez, qui sont personnels, euh, qui sont mesurables, que vous allez réussir, etc. Ensuite, je pensais... Euh, euh, pour euh, améliorer le, le, la confiance en vous, il euh, y a euh, le, le dialogue interne en fait, la manière dont vous vous parlez. Il, il faut, pour, quand, si vous perdez confiance, pour si vous avez peur, etc. Parlez-vous de manière positive. Euh, regardez euh, une vidéo de Damien, ça, ça vous donnera une idée de, de comment il se parle en l'air. Vous va voir, c'est motivant. Il dit "Allez, Damien, là, es motivé, on y va." Euh, voilà, il faut que ce soit positif, que ce soit dit de manière affirmative. Et, et donc vous pouvez vous parler à voix haute, vous pouvez vous parler dans votre tête, vous pouvez vous parler jeu en utilisant le jeu ou utiliser votre prénom comme si vous parliez à quelqu'un d'autre. Voilà, pensez à ce dialogue interne. Et puis euh, et puis voilà quoi. Ce dont je voulais. Euh, <laughs> C'est pas mal déjà. Il y a beaucoup beaucoup d'infos. Ouais. La gestion des. Voilà, vous reverrez en, 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 en revoyant en, en rediff, ça vous permettra de de, de revoir ces points dont je vous parle parce qu'on a balancé beaucoup d'infos là ce soir. Il voilà. y a beaucoup d'infos et, pour, pour et pour samedi, samedi pour les gens que ça, que ça intéresse, il y aura une petite pratique. Hein. On va avoir une sophrologue qui sera avec nous. Il y aura toi et puis il euh, euh, y aura Delphine Pile et on va euh, on va faire quelque chose euh, tous ensemble là, avec euh, un peu de méditation, un peu de respiration, un peu de visualisation. Donc il euh, y aura un petit un petit truc sympa euh, pour faire une initiation à tout ça pour que ça donne envie aux pilotes de faire euh, pourquoi pas un stage euh, mental avec Delphine, avec toi Jérôme aussi. Euh, voilà. Tous ces outils qui sont utilisés par les sportifs de haut niveau qui sont aujourd'hui accessibles à tout le monde, hein, on va dire. C'est ouais, euh, voilà des choses qu'on qu découvre. Et euh, Alors il y a encore des gens qui s'en des, des, des qui, qui moquent hein, de, de, ah, de la méditation des machins. Moi j'ai pas besoin de ça, ouais. mais en fait c'est hyper important. C'est euh... pas grave, c'est voilà, chacun fait comme il sent, hein. c'est toujours pareil, rien n'est imposé. cest que quand, quand une personne vient faire une, une démarche, il, il certains outils vont lui plaire, d'autres pas du tout il y en a, ils n'ont pas envie de respirer mais ils ne respirent pas, on, ça. on fait autre chose hein, et voilà. puis il y a des choses hyper intéressantes mais ça tu, tu, tu en parles aussi, hein, les sophrologues en parlent, c'est qu'aujourd'hui les, les, euh, le fait de visualiser fait qu'on mo mobilise les mêmes circuits neuronaux que si on vivait l'expérience en fait, donc le fait de Exactement. visualiser fait que le corps se prépare réellement à les mêmes sensations, enfin même si on ne le ressent pas dans les sens, euh, ça, ça déclenche les mêmes circuits voilà. neuronaux et donc une visualisation peut être aussi puissante que, que d'aller faire un Absolument. vol, quoi. Et donc, se préparer, voilà. justement, Exactement. ce que tu racontes, être en confiance, oui. ne pas avoir peur d'une fermeture et, et partir sur des vols sereins, quoi. Donc tout ça, c'est voilà. des techniques hyper importantes. On va en reparler samedi. Euh, merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce live. Rendez-vous pour le live de samedi avec euh, gros euh, gros live, plein de plein d'infos, plein de plein de renseignements encore. Euh, et on parlera des confinements, on parlera des confitures, on parlera de, de, de avec Jérôme aussi. Voilà. voilà. Je pense qu'on a tout dit. On va on va on va se quitter. On va aller. Euh... On a dit beaucoup de choses. On verra ce qu'on fait samedi. Ce sera varié. Ce sera la découverte. Quoi. Bon et merci à tous ça, euh, ça. pour les. Conf... Compliment en tout cas. Euh, merci le Emily, un petit coucou euh, qui prend l'apéro à chaque fois. Merci euh, Paul ouais. qui nous dit que c'est la chaîne c'est sa chaîne de télé préférée. Euh, voilà Gérard aussi. Enfin tout le monde est, est vraiment très sympa avec euh, avec ils tout. vont nous manquer hein, après. Hein. Ah ils bah, après manquer, ils vont non seulement après, nous manquer euh... mais euh, samedi on va on va on va pas s'arrêter. Hein. Euh, on ne sait pas déjà si on sera déconfiné et puis de toute façon on continuera ces lives peut-être pas au rythme de deux par semaine euh, non, mais, mais on on en continuera parce qu'il y aura toujours plein de questions et on, fera, on trouvera une forme différente. Mais euh, on ne vous lâchera pas comme ça et euh, on continuera, ça c'est sûr. Merci de nous avoir suivis, merci euh, à tous, passez une très bonne soirée. Merci Jérôme, merci... Euh... Merci Seb, merci à tous, c'était un régal encore. Hein. Tu peux libérer ton... ton... Bien. Tu peux libérer le, ah oui, le vautour. Parce que, parce que je crois ah oui, qu'il ne respire vais, pas derrière. Je vais lui donner à boire et puis je vais le lâcher. Ben non, lui, il attendra le thermique de demain. Il <laughs> ça ne <ça>, <laughs> vole pas. Est bah, pas bah ouais, temps ouais, temps là, là il, est, il est en stand-by, oui. ouais, forcément. Bon, allez, merci, euh, Jérôme. À samedi, rendez-vous. On vous met euh, l'horaire, vous ah, verrez euh, ça sur, pas, la, ouais. sur la page Facebook. Mais euh, a priori, 17h, 20h, 16h, 22h, on ne sait pas encore en fonction euh, euh, du nombre d'intervenants. On va passer la soirée avec vous samedi. En espérant qu'on puisse revoler à partir de lundi. Ça ne veut pas dire que lundi, il faut se jeter sur sa voile et euh, dans la falaise. Allez, bonne soirée à tous et merci. À très bientôt. À très vite. Bye bye. Tchuss.